Voilà, maintenant c'est bon. Ok, Ah putain, j'arrive pas à écrire Tunisie. dites-moi si le son est correct. Normalement, mon micro marche maintenant, je pense en tout cas. C'est juste que je fais ça vraiment à l'arrache et que, comme un con, au lieu de débrancher mon disque dur externe, j'ai débranché le micro, mon micro casque, ce qui est particulièrement. Ah, pourquoi pas? Oui, absolument. Bah, il y avait deux câbles noirs. J'ai pris celui que je pensais qui était le bon et en fait, je me suis lourdé comme une merde. C'est du Personne avec plastique. ça bon, hein, le stream marche. Ah ouais, oui, j'ai relancé. Attends, je vais baisser un peu le son parce que je sais comment. Clac, clac, clac. 10, voilà. Est-ce que tu m'entends, Darfish, dans le stream? Si tu peux. Attends, je remets le son. Chante-nous une chanson, Pépé. Ne me tente pas. Tu sais comment ça va finir. Moi en train de chanter. C'est parfait. C'est bon? Ah, Darfish, d'accord. Tu as tué Arsenic. Ah, c'était la partie où je jouais la Tunisie et j'avais fait le Reconquista. Ouf! T'as réussi à passer ça? Ouais, Ah, c'est. c'était avant qu'ils upgradent le Maghreb et tout en plus. Mon pays était tellement pauvre. Ah, badass! Ah, la Tunisie, rien. Ah, Darfish, Ah, d'accord. d'accord, C'est bon, ça marche. Parfait. mais en vrai, j'avais juste profité que l'Espagnol s'était fait défoncer par une coalition. Ok, les gars, donc normalement c'est bon. Kina, est-ce que tu peux me renvoyer, s'il te plaît, une invite pour le squad? Ouais, et voilà, c'est fait. Ah, je l'ai parti. Alors du coup, tu jouais Renvoie! ton Junkers 88 Ouais, C? je voudrais bien faire une petite game d'abord en Junker, tranquille, et après on va basculer sur du 4-3, donc j'ai jamais joué dans un battle rating aussi haut. T'as reçu l'invitation ou pas? Ah, mais je la reçois pas, Kina. Bah attends, au pire. Attends, invite au Ah, c'est squad, bon, je la vois d'un voilà. coup, voilà. Je vais sortir le... Alors le fait Je crois que je le que sors. j'ai Alt tabé, et il a fallu que je clique sur quelque chose pour que d'un coup je reçoive l'invite en fait. Donc ouais, les gars, on est en 2.7 avec le Junker. Et à la prochaine, je basculerai sur le faux couvre sur 90-1-4. Donc vraiment, je vais doubler mon battle rating. Et là, ça va être une catastrophe en joystick. Ça va être une Ok, catastrophe. Je pense que je basculerai sur la souris pour le faux couvre A4. Je vais retirer mon Je te mets en ME2. ready et c'est bon pour moi. Ok. Alors, t'es en quoi toi, Kina? Attends, 2.3. Je vais sortir le maquis. 2.7, 2.7. À Non. 2.7, Ouais, 2.7. 2.7, c'est le Junker 88 C6, C6 le chasseur de nuit. Je vais prendre le E4. Moi, je prends le Fauve 200. Tu veux retenter les bombardiers après ton échec avec le Heinkel 11? Darfish. Ouais, je vais essayer. Je prends des risques. Tout le monde est prêt? Ouais. Ouais, Bon, c'est bon pour voilà, moi. on lance. Squad can start a new session while the... J'ai des invitations qui sont pas... What the fuck? Mais c'est pour Ready, ça, ready? peut-être que si... Ah non, maintenant, normalement, on avait accepté nos invitations Ouais. mutuelles. Tout le monde est prêt? Ouais. Ok, je peux les révoquer. Voilà. Et voilà. C'est bon. C'est bon. Je retourne ce... Alors, je dois avouer que War Thunder est magnifiquement optimisé pour les Alt-Tab et compagnie. Magazine, ils ont fait un travail magnifique là-dessus. Ah, je dois avouer, chapeau les Ah, artistes, hein. le jeu est plutôt bien, surtout, hein. Et sur mon ordinateur de patate, il marche quand même assez bien. Eh, pareil, il tourne très bien, hein, je dois avouer. Je suis impressionné, j'arrive genre à avoir 10 pages internet derrière qui me suce 3-4 Go de RAM et il arrive à tourner magnifiquement. Et c'est très confortable. Oh, on a déjà trouvé, waouh! Ouais, la rure. Bon, Oh, celui-là, c'est les mêmes excellent, cartes. Essen. Bon, mon Junker, en joystick. Attends, je vais essayer de montrer aux gens le joystick, histoire qu'ils ne se... Attends, mais je suis à moitié à poil dessous, donc il faut espérer que... Hop, je vais lancer. À cause de toi, j'ai réinstallé le jeu. You fool. Ok, je suis en l'air. Allez. Moi, je suis déjà à 4500 mètres, putain. Oh, what? Oh, ouais, mais t'es bombardant en même Ouais, temps. c'est normal. T'as pris ton faux couvre de sang, ouais. Ouais. C'est un monstre, ce machin. Ah, La chasse décolle. c'était un monstre IRL, mais à War Thunder, je dois avouer, ça... Ça fait un peu clodo quoi. Et un enfoiré qui nous parle. Tu sais, le clodo, il te regarde depuis 2000 mètres au-dessus de Oh, toi et t'inquiète il fait pas, pas mal. Darfish, je vais te rattraper et t'abattre. Comme ça, j'aurai une victoire, au moins je serai sûr. Que ce soit allié ou ennemi.
Ok, je vais essayer d'altab, voir si ils voient mon magnifique joystick. J'avais pas utilisé un joystick à part ma queue depuis. Clodo, il te regarde depuis. Ah oui, deux minutes. Moi, ne t'inquiète pas, Barfiche, je vais te rattraper, tabac. Et les deux toiles à l'avant, ça sert à rien. Alors, malheureusement, mon joystick est pas encore bien configuré, surtout au niveau des visions extérieures. Je crois. Et le seul bombardier en fait d'Arfield, donc quoi? Bonne chance. Sans déconner. Ouais. Non, on est 4 bombardiers. Il y a Heinkel 129 roumain. Il y a un BF 109 S4 en Yavon. Et on a un SM79. Le Heinkel va faire du grand attaque, mais en haute altitude, ouais, le SM79, où est-ce qu'il est? Il est à côté de toi, il est derrière moi à 1 km, un peu moins. Ah ah! Et toi, Kina, t'as sorti quoi? Un BF-109? Le 4. Le 4, ok. Avec le canon de 20 axial? Non, deux mitrailleuses dans le nez et mes deux canons sur les ailes. Okay. Ah, c'est le 8000. Ok, je vois le Heinkel 129. Oh, regarde-moi, c'est... Ah oui, je vois Darfish. Bah, tu sais, Darfish, je t'ai presque rattrapé en termes d'altitude, là, déjà. Ouais, je vois ça. Mais bon. Il n'avance pas, putain, cet avion. J'ai un peu fait chauffer mes moteurs aussi, hein. C'était en orange, les deux, hein. Non, moi, j'ai juste... Je vole tout droit. Ouais. Bah, en même temps, Darfish, t'es... Mais t'as pas le choix, toi, hein. Bombe, hein. Tu es notre bombardier stratégique, Darfish. T'es là, déjà, tu sens qu'il faut que tu quittes la partie, tu vois, quand tu dis ça. Exact, sans Londres. En fait, je crois que je peux juste faire échappe, et puis je peux aller faire mon petit truc à côté. C'est ça. J'ai une question, pourquoi le P-47, il commence plus haut Parce qu'il est considéré comme un attaqueur, puis les avions d'attaque, ils ont tout un spawn aérien. Alors que le P-47 est quand même un avion, il peut engager des cibles... Enfin, il est comment le P-47 dans War Thunder? C'est un mix entre un avion d'attaque et un avion de... Ouais, depuis qu'ils sont spawn aérien, il est très bien, mais c'est juste que le problème, c'est que les cartes de War Thunder... Ok, les gars, on a des cibles. On a un F-4U à basse altitude, on a un XP-55 à 10 km, et on a un Mustang à basse altitude à environ 12 km, à mes 12 heures. On a aussi un Mustang qui arrive... Un Mustang Spitfire à mes 3 heures. Et ouais, tout ça à basse altitude. Hein. Enfin, c'est-à-dire du entre 1000 et 2000 mètres pour moi, vu que je suis à presque à 5000 mètres là. XP55 qui est à peu près à mon altitude. Allez, bah, fais gaffe, si tu vois le XP, il a une monstre d'escorte. Et là, c'est là que je blâme ce putain de joystick que j'arrive pas à voir. XP55, moi je le vois tout seul. Non, Il a des copains. Normalement, il est avec 5 avions, le XP-55. Sans déconner, là, je suis en train de monter pour pas que ces singes me chopent. Hein. C'est bon, le XP-55, il engage un 109. Est-ce que vous voyez des bombardiers, les gars? Non, j'en vois pas pour l'instant. Ouais, bon, moi, je vais commencer... Il est en plume, le XP-55. Il est... J'ai vu tellement de vidéos de cet avion, il est juste dément. Il y a trop de cibles, je sais pas quoi engager. Il y a trop de cibles, absolument. Ils ont pas de bombardier, j'ai l'impression. Escorte-moi alors. Les gars, il y a un Mustang 2 km de moi et 1 km de toi. Ok, j'ai fait l'arc. J'ai le P-51, il est mort. Bald Eagle, l'aigle chauve. Ok, je reviens vers vous, hein. j'ai fait mon boulot de reconnaissance. Je vais engager le L4. Attends, le XP-55 cherche à venir me... A l'air de... Darfish, je suis avec toi, tu vois, tu me vois à 1,5 km là. Je vais te servir d'escorte rapprochée. Ah bah l'L4, il s'éloigne de ses alliés, c'est bon. Allez, on y va. Le XP-55, il est à mon altitude, what the fuck? Enfin, il est à... Ouais, il est à 600 mètres... Ok, il plonge. Pas tarder à bombarder. T'as un mec dessous, Darfish. Regarde à quelle altitude il est, hein. Ah, mais je peux pas bouger là, sinon je peux pas bombarder. Ah, le Lost Control. Oh, t'inquiète pas, Darfish, je suis en train de jouer avec toi. On a un F6F abattu, les gars. Oh, mais attends, ils se sont ramés, ces singes. Ou abattus entre eux, on va savoir.
Enfin, y a pas de bombardier, mais je suis là pour manger du bombardier, moi, pas pour... C'est fait, y'a plus de bombe. Demi-tour. Ok, tu rentres à la base? Bah ouais, je peux rien faire maintenant. Bah, moi je vais... Faut que mes bombes sont larguées. Je baisse ma vitesse et je vais aller... Le gameplay bombardier. Je vais aller essayer de taper une cible en juif, hein. Mais merde, hein. Les Joker 88C6, soit ils faisaient de la longue escorte de... Oh putain, j'ai complètement raté la base. Oh, quelle surprise. Oh putain, là-bas, y a, les gars, il y a 5... Qui nage, parce que t'as vu, il y a 3 ouais, Spitfire et un Mustang et sur un... moi, je m'aventure pas là-bas, hein. Ça sent la mort, hein. Oh, c'est bon, t'as eu une AA d'affiche. GG. Pourquoi est-ce que je t'escorte, sans déconner? Il faudrait que j'aille mourir au sol, glorieusement, en essayant de choper un ennemi. Arrête de me bombarder d'affiche, hein, t'y arrives pas. En réaliste, avion. Ah bah justement, fais un truc simple. Par contre, t'as un Mustang dessus toi, ton what the fuck, d'affiche, fais gaffe. Ouais, t'as un Mustang dessus toi, mec. Il arrive à grande vitesse, dans 6 heures. Parfait, il a eu. Recrache le micro. Tu m'entends, d'affiche? T'as un Mustang qui tombe dessus à tes 6 heures. Aïe. Non, laisse-moi. Ah, c'est bon. Le P50 par contre c'est moins bon. Bon, est-ce que je suis en vie? T'es en feu. Je vais ici. Non, je suis pas en feu. Non, tout bien. Non, bah il m'a vu arriver en fait sur ses arrières. J'ai une fuite de carburant, mais il me reste encore 250 heures de vol alors. Voilà, c'est bon. Oui, bah t'as la chance que j'arrive sur ses arrières. Hein. Parce que maintenant je suis dans la merde. Moi je te vois fumer d'affiche. Hein. Oh, je suis en train de décrocher par contre. Ah, ok, c'est moi qui fume. Oh là là, il m'engage. Je peux pas faire un combat aérien contre un putain de P51 Mustang. Ok, je plonge. Et on va essayer. Je vais aller me péter les ailes au ras du sol. Oh oui! P51 abattu. Oh, mes ailes ont pété! Voilà! 800 km/h, non! Darfé, j'ai essayé de te sauver. T'as tué une batterie anti-aérienne. Eh, hey, je suis encore en vie en attendant. Un Mustang Mark 1, j'ai honte. Je vais aller voir Kina. Par contre, je suis en piqué, mais libre, et je suis qu'à 200 km/h, pas moins inaccéléré. Ok, je vais pouvoir changer mes contrôles. Est-ce qu'on peut changer les contrôles? Ouais, voilà, parfait. Je vais retourner en souris pour le Focus 190, parce que je vais pas réussir sinon. Oh, ça me fait combien d'assists? 2 assists, ok. Mon son est trop fort, Darfish, tu m'as pas entendu, hein, quand je t'ai dit. Ah non, moi, j'avais aucun problème. Ok. Je vais retourner à la souris. Bon, après cette passe, on va retourner à l'aérodrome. Bon, le joystick, bah étonnamment, j'apprécie le joystick ouais, en joker, mais là. Aircraft control. Non, c'est pas ça. Ok, Allez, 109, t'es capable. Bon, j'ai un moteur qui s'est arrêté. Putain, mais quel... Contrôle... Ah, voilà. Keyboard et mouse. Apply. Voilà. Que mettre un atterrissage encore, là? Oh, la question. Je viens de voir nos alliés se cracher salement. Ils ont pas l'air d'être tombés, donc on va dire qu'ils sont là. Oui, Darfish, tu fumes, mon salaud. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as activé les saloperies, espèce de troll, va. Non, mais c'est que les rouges hein, qui sont les fumigènes, hein. Le reste, c'est juste mes moteurs, hein. Ah oui, c'est ce que... C'est ça, le P-51, il t'a mis des coups au but. Ce que je pense. Ah oui, t'as un moteur arrêté. Ouais. Et le deuxième... moteur rouge, un moteur qui peut endommager du tout, et... Tu vas réussir à aller te poser, ou... Bah là, j'essaie d'aller me poser, mais vu la vitesse où je vais... Je te vois à 182 km/h. Ouais. En descente. T'as vu la vitesse où je descends? Oh, c'est une catastrophe, mec. Mais je décroche, putain. Ah, t'es... Darfish, là, t'as aucune chance, hein. Éjecte-toi avec ton équipage, ton glorieux équipage. T'as réussi à tuer une DCA et... Je n'en tiens rien, en un... Je suis mort en dépendant, quoi. Kina, est-ce que t'es encore en vie? Ah oui, Kina. Kina. Allez, Kina. Allez. Il m'a scotché des mitrailleurs. C'est lui qui m'a eu, Kina, je crois. Allez, je vais choper les moteurs. Ah, il s'est planté. Ouais, il s'est planté. Bon, c'est bon, lequel il est allé à moi. Fais gaffe, t'as un F6 à 3 clics
Ouais, mais je vais aller tourner la bosse. 180 degrés, mon huile. Oh putain. Plus d'essence. Mon moteur est orange rouge. Pourquoi tu t'es suicidé? C'est pas que je me suis suicidé, c'est que j'ai essayé de tomber au sol pour esquiver mon le P51 derrière moi et. Le problème c'est que le P51 était à 3000 à la même altitude que moi. Regarde mon glorieux atterrissage sur la route. J'arrive. Bah c'est des arbres. Oh putain d'arfiche. Si tu poses ton truc. Les trains d'atterrissage veulent pas sortir. Oh là là, oh, j'ai encore le crash sur le premier arbre. Darfish, il faut que quand tu es. Je t'interdis de jouer bombardier quand on stream, Darfish. Bon. Et Kina qui me survole. On va aller voir Kina. Ah, je crois que j'ai pas suicidé, bombardier, j'ai essayé de. Je ne comprends pas comment ce putain de P51 est monté à 5200 mètres aussi rapidement. Voilà. Ce qui fait que. Je suis baisé si je me retrouve avec un chasseur aussi rapidement à cette altitude, parce que je tombe, il me suit, bah. Voilà. Non mais et... le P51 Mark 1 il est juste pété. Et le problème c'est que je peux pas prendre ça en combat tournoyant, donc il faut que je me barre. Et si j'ai pas un autre junker pour me faire de la faire du 6-6 et on tourne, bah je suis baisé tout simplement. Oh Kina, quel atterrissage. Atterrissage parfait. Et voilà. Un peu en dehors des clous, mais. J'aurais aimé qu'il se foire, tu sais, comme ça on aurait pu relancer. C'est ça. Attends, mais il reste juste le L4 en fait. Ah d'accord. Normalement, oui. Les autres devraient l'avoir. Ils se sont fait manger. Regardez Fuwachi, c'est lui qui engage le L4. Moi je vois un F6 à 10 km. Hein. Ouais, Fuwachi. Et voilà, il a eu. Ouais, bah il est pas seul, hein. Il y a aussi un F6 là-bas. Hein. Ah non, il est mort. Non, tout le monde est mort. Oh putain, on a déjà gagné, c'est parti. Bon, je vais sortir le. C'est grâce à mon bombardement vainqueur. Regarde en haut les points d'Arfish. Tu vas comprendre. Eh, je suis pas dernier, j'ai plus de points que toi, BP. Attends, mais on a un mec qui a mangé genre 3-4 avions ou quoi Ouais, c'est le P47, c'est mangé 2 avions, 3 assists. Putain, ouais, d'accord, il a. Non, c'est l'inverse. C'est 2 avions. Ah oui, non, c'est ça, 2 avions, mais il y en a aucun qui a eu 2 avions. Ok, c'est bon, les points diminuent à toute vitesse. Victoire. En fait, je suis dans le top 3. Dans le top 3, on a tout abattu 2 avions. C'est quoi comme type d'avion ton Junker PP? C'est un Junker 88 C6, là-bas c'est un chasseur de longue portée qui pourrait être aussi utilisé en chasse de nuit, mais généralement il escortait les focs ouf 200 dessus le golfe de Gascogne. Et donc il a deux canons de 20 et deux mitrailleuses. C'est un très bon avion, mais il a besoin d'équipiers en fait. Voilà. Je demande car je n'y connais rien en avion. Bah en effet, j'ai compris ça. Ah oh bah du coup j'ai tout débloqué sur le 9. Oui. Attends, je vais changer ma recherche. C'est que t'as dit, c'est 4.3 Ouais, on est en 4.3 maintenant. On va passer aux choses sérieuses. Le P109G alors. Sur quel équipage l'avais mis déjà? Ah là. Bon, 4.3. J'ai trop de fanades d'avis. Ok, donc le Fokou 190. Mon dieu, je ne suis jamais allé à un tel niveau. Je vais me faire ramonner les fesses. Il y a des chances, ouais, hein. Je veux pas être défaitiste, mais. Ah bah c'est ça, je vais monter, plonger, remonter, puis espérer qu'en Fokou ça passe et que j'arrive à battre un mec. Allez, 4 canons de 20. Ça fait bobo. Il faut que j'arrive à mettre 2-3 obus sur un malheureux qui peut-être m'a pas vu venir, mais... Normalement, le G2, c'est celui avec l'avion allemand que j'ai avec lequel je fais le plus de kills. Attends, je vais aller prendre à boire. J'ai rappelé une saloperie en malte. Hop là. Ok, je vois tout le monde est prêt. Je lance. Ah putain, où j'ai mis mon... 184 kills en 141 sorties. Pas mal. T'es trop fort d'Arfish. T'étais en arcade Avec celui-là, je vais lui en faire seulement quelques-unes en réaliste. Ouais. Ouais. Hop là. C'était correct hein, comme score. Bon, en arcade. C'est un peu facile l'arcade. Hein. Avec mon Junker 88 C6, j'ai essayé en arcade. J'arrive à faire 7-8 victoires aisément. Hein. c'est pas dur. Hein. À contre les bombardiers, oui, forcément. Oh non, non. Je mange du chasseur, c'est juste que le C6. Ça, ça passe. 600 km/h, tu plonges, tu remontes, tu plonges, tu remontes. Il a une telle puissance de feu qu'il mange tout en fait. Est-ce que le Bowfighter est encore cheaté en arcade? Je me suis non.
je me suis fait, je crois pas, non. Ah, je me suis fait souiller plusieurs fois par cette saloperie. Hein. Je me rappelle dans les débuts, le Bowfighter. Au début, il était sûr. Le premier Bowfighter, là, le jaune. Ah, puis le Catalina qui était intuable. Ah, ouais. L'époque. Il est peu maniable son avion. Ah bah plutôt hein, le Jagger 88 c'est à la base c'est un bombardier rapide. Il est pas fait pour engager. C'est pour ça que quand je me suis retrouvé avec un P-51 à mon altitude, j'ai essayé de décrocher, mais voilà, il faut pas. Je ne peux pas engager un chasseur en combat tournoyant. Un chasseur comme un Mustang, un Spitfire, oh Norvège non. Ou un Hurricane. La prochaine fois je t'offrirai une escorte. Ouais parce que c'est vrai que. J'ai voulu escorter Darfish hein, et le P-51 a décroché du cul de Darfish quand il m'a vu arriver. Mais bon, j'aurais pas dû parce que Darfish sert à rien en fait. Bon, Darfish, dis-moi que t'as pris. T'as pas le droit de dire ça. Darfish, dis-moi que t'as pris un vrai avion cette fois. Voilà, un G2-trop. Eh les gars, bravo, un G2-trop en Norvège, hein, c'est efficace. Hein. Vos filtres, ils servent à quoi sur vos moteurs là, sans déconner. J'ai les deux canettes supplémentaires sur le set. T'as rajouté les pods. Ah, t'as mis les pods. Ouais. Ah, t'as mis les pods, mais c'est. Mais tu vois zéro manière. À quel point tu t'alloues sur un. Ça me fait sentir puissant. Eh, hey, si tu mets les pods à ce qu'on a, autant pour un. T'entends plus, Pépé. Tu m'entends micro, Pépé. Recrache le micro, Pépé. C'est quoi le problème? Ça se met pas dans la bouche. Bon, vous m'entendez, les gars? Non. On dirait que t'es loin de ton micro. Attends, Pépé, comment je te grille? Je pense que c'est le son du jeu. Hop. Ah, il y a une amélioration. Ouais, c'est pour ça. Et maintenant, comment c'est? Ah, et voilà. Voilà, en fait, mon son est branché sur le. Était branché sur le micro, en fait. Ça devrait être mieux maintenant. Bon, attendez. Je vais vous rattraper maintenant. Enfin, du coup, t'as pas vu le troll où j'ai volé sur le dos juste devant toi? Ah putain, et en plus on a du gros temps sur la Norvège. Ouais, je vais voir les nuages, ils se terminent à quelle altitude? Sans déconner, un Fancou 190 A4 qui se fait manger par un 109 en vitesse. Ouais, mais ton Fancou aussi il est stock, il est pas modifié. Non, il est pas. Ouais, le premier il est à fond. Voilà. Non, mais ce temps de merde qu'on a quoi. Tiens, comment je te largue? Ah, carrément. Ils sont tellement forts, Pépé. 3700, toujours pas de. Toujours dans les nuages. Ah, tu m'étonnes, là. Je dis qu'à 4500, les nuages se terminent. Ouais, ça sert à rien d'être aussi haut après. Je pense que le mieux, c'est de rester juste à la lisière des nuages. En 4.3, normalement, une bonne équipe d'alliés va se trouver entre 4500 et 5000, habituellement. On va avoir quoi en BR en face de nous? Du Spit 5? Du Spit Mark 9. Non, Spit, putain, du 9. Ouais, du Mark 9. Mark 9, ouais. Du Typhoon avec celui avec les canons. Oh non, les 4 canons de 20 hispano là dans les ailes? Ouais. Ah, ça fait bobo ça, putain, depuis. Ouais, ça marche quand il faut cool en plus. Ah, le Typhoon il fait bobo contre tout, hein, mais n'importe quoi. Oui, bah, il est fait pour ça, hein. Niveau américain, bah, le classique là, du P-38, du P-47, du P-51 amélioré, je crois. Ce temps de merde, c'est quand je stream qu'on a un temps de merde sous la Norvège, c'est forcément. Putain, mais on voit rien, quoi. 5000 mètres, toujours dans les nuages. T'es pas à 5000 mètres, là? Oui. Je te vois en dessous de moi. Malheureusement, j'ai coupé le son du jeu parce que... Le son du jeu est branché sur mon micro, ce qui fait que c'est pas bon. Donc il faudra attendre peut-être la fin de la bataille que je relance le stream pour re-régler. Ops. Oh oui, il y a du Wyvern aussi. Oh boy, ok. Putain, ils sont déjà. C'est ils quoi sont ça comme avion le Wyvern? C'est contact ces machins? Ouais, c'est quoi ça comme avion? C'est quoi le Wyvern? Je connais même pas. Normalement, c'est un avion. C'est un Zesterer anglais. La Royal Navy. Ouais, c'est un avion de la Royal Navy. Ouais, le Wyvern, c'est un Zesterer anglais en fait. Attends, je le vois. Il y a un Bowfighter à 16 ouais, hein. Nous. Ouais. Ok, bah au moins on va engager. Et je crois qu'il attaque les navires. Hein. Ouais, par contre, le Wyvern, faites attention au niveau vitesse, il nous bat tous. C'est un premium celui-là, non? Sans déconner. Ouais. Putain, mais... Ah voilà, 5.0. Ah bravo. Battle Rating. Ah, le pay to win quoi. T'achètes un avion qui bat un Fokouf 190, tu te fous de moi quoi. Le pay...
Bon, il y a plein d'avions qui battent le feu au 590. En termes de puissance, en 41, non, IRL en tout cas. Là... 6500 mètres, les nuages arrêtent. Oh putain, d'accord, 6500. Ouais, bah, c'est pas aller aussi haut. Hein. Non, mais c'est bon, moi maintenant là. Moi je suis déjà à 5000 mètres. Moi je tombe là, hein. ça suffit des conneries quoi. Ah bah, je suis capable de voir Spoutnik d'ici. Bon bah on va descendre. Ouais moi je tombe. Ouais moi je redescends aussi hein. C'est parti hein. Tout se climb pour rien. Typhoon. Non, Typhoon dessous nous hein. Viskungor 11 clics. Ouais. Ouais, je prends un peu de vitesse et je vais engager. La question c'est quel Typhoon c'est. C'est pour... un beau fighter aussi. Ouais t'inquiète on les voit. 9 clics. Ah d'accord je vois Kina avec son nom de Shemale thaïlandaise qui est en train de tomber à grande vitesse. Et vu que je tombe au non. Ah, c'est trop vite. 770 km, c'est un petit peu trop vite. J'ai éclaté les ailes de mon Junker à 760, je crois, quelque chose comme ça. On va perdre un peu de vitesse. Ok, voilà, c'est mieux. Putain, mais attends, mais le plafond, il est merdique, quoi. Il a combien le plafond, Kina? Tu l'as, toi, le plafond Ouais, le plafond était à 2400, mais le maximum... De l'autre côté des nuages, c'est 6500. Ok, c'est bon, je l'ai là. Ouais, je l'ai à 2600, moi, le plafond. Ok, j'arrive. Je vais essayer de taper le Typhoon. Ah, ça y est, putain. On va enfin quitter la couverture nuageuse. On va venir aider notre Ankle. Kina, tu tapes le Typhoon? Je vais essayer. À ma vitesse, je sais pas si ouais, moi, pareil, je suis à 714 km/h. Je vais essayer de... Il fume, le Bowfighter. Je vais essayer de faire une passe sur le Bowfighter. Trop rapide, là. Non, ça va vite. Oh, là. Bon. Oh putain, GG. Fighter, je vais essayer d'anticiper son mouvement. Allez, oh il est mort. Attends. Vla PP. Hit. Plus haut. Hit. Je l'ai eu. Ah, il assiste. Oh my god. Allez, remonte. Oh, plein tube. Tu l'as eu? Il t'a eu? Ouais. Ça veut dire qu'il est pas loin de chez moi. Au secours. Il est à 2 km de moi. Au secours. Ah oui, je l'ai. Ah oui, il est là. Ah le bâtard, attends, comment il est remonté aussi haut, aussi vite? Ah oui, le Wyvern il est pété là. Je suis à 221 km/h. Ouais, il essaie de me. Non, c'est bon, il s'est loin, attends. Hop. Bon, attends, je vais essayer de lui faire face, hein. J'ai quelqu'un dans les nuages. Normalement, tu le manges en manœuvrabilité, mais à vitesse. Il remonte à une vitesse démentielle. Attends, il y a un autre Fokouf qui arrive sur ses arrières et qui a. Ouais, il est à même pas un clic derrière lui. Je vais essayer de le. De venir le... Oh, il essaie de venir m'engager. Attention, à ta droite, t'as un split à 3 km. Vu. Merci de m'avoir dit. Pour moi, le split. Un autre split à 2 km. Oh là, non, 240 km/h. Putain, je l'ai pas vu. Oh là, 240. Non, ouais, Pépé, oublie ça. Ouais, je plonge. Le split, il fonce sur toi. Oui, il fonce sur toi. Il est pour moi, celui-là. Ouh. Oh, il me one-shot, ce bâtard. Ah oui, oh putain, il m'a eu aussi. Le Vivian, il m'a eu. Attends, on est tous morts. Je vais rager. Comment est-ce qu'on passe en hall? Tab. Ouais, tu fais. Ouais. Tab. Hop. Ah oh, putain, j'ai pas. Attends. Zap plane. Non, merde. Je veux rager parce que là. Non, sans déconner, le machin, il t'a abattu. Il m'a abattu moi dans la foulée. Oh, j'ai même pas envie de rager. Il est magnifique le Wyvern, mais c'est un machin super light. Attends, mais c'est pas possible. Non, oui, mais c'est après il s'en sert après la guerre, je pense, non? Non, mais attends, mais il a rien à foutre là, quoi. Je connais même pas cet avion, alors putain, je les connais tous, quoi. Bon, on s'est tous fait abattre comme des merdes, c'est ça? Ouais. Retour en gare. Putain, bravo. j'ai réussi à avoir une kill assist avec mon faux cool. Ouais, moi aussi sur le Bowfighter. Bah, moi j'ai un avion abattu au moins. Quel gros caca, je suis furieux, quoi. Battle Trophy. Ouais. 12 au moins, elle a pas trop duré la game, parce que bon, des fois Norvège peut être un peu chiant. Hein. Y a pas quelqu'un qui voudrait se rejoindre à nous, on est trois. Ah bah visiblement non. Le Fokouf 190 tournée a-t-il existé en avion? Mais bien sûr, c'est le D9 Dora, donc qui a été remotorisé avec... Oh, il était excellent. Il y a un as allemand, je crois que c'est... je me souviens plus... Qui disait que... Dora, c'est le D13, c'est ça? C'est le D9. C'est ce qu'ils appellent Dora, globalement, c'est toute la série DD. T'avais cet as allemand qui disait justement que... Ça avait permis à beaucoup d'as de survivre à la guerre en fait, cet avion. Parce que les mecs, Le D9, en tout cas sur War Thunder, il est vachement bien. Ah oui, mais. C'est mon Fokouf préféré. C'est un monstre, hein. Ah, les Wyvern. Ah, mais il est tier 5! Qu'est-ce qu'il foutait là, cet enculé là?
Tier 4. Ah oui, tier 4, pardon. Bon, 5.0. Mettez-vous prêt. Ah ouais, non, mais c'est à moi. Attends, je regarde le Wyvern un peu. Oh putain, oh mais c'est un truc avec deux pales comme le. Oui, bah niveau vitesse, il nous mange. Ah, hein. C'est beau. Et l'évolution du D9, c'est le TA-152. Qui lui, ouais. Ils ont juste fait du proto, mais qui était là vraiment pour chasser du B-29 en fait. Hein. C'était vraiment un avion de haute altitude pour taper les bombardiers américains. Les B-29 ont été déployés au Japon, mais ils auraient pu arriver en Allemagne D-44 s'il y avait eu besoin. Mais ouais, du coup, on retourne en 4.3. Hein. Ouais. Ouais. Je reprends le Gustave. Ouais, Gustave Adolphe. Dora, c'est pas les usines avec les esclaves. des esclaves, il y en a eu partout en Allemagne. Je veux dire, en 44-45, ils arrivent. Ils ont des chiffres incroyables encore de production, mais ils ont pas de. Encore Norvège ? Bah oui, c'est la carte de choix. Mais putain, mais c'est la fille de puterie. En espérant qu'il n'y a pas de nuages, on croise les doigts, Ah ouais, au moins du temps clair. En 3.7 la PP, j'aurais bien aimé sortir le P47 moi. Ah, fais pas chier, je suis jamais allé aussi haut et j'arrive à choper une kill assist. Pas mal quand même. La première fois aussi haut et tu tapes un Wyvern. Ouais, il m'a mangé, j'ai essayé de le croquer mais ça m'a pas. Quel le temps, non, il est pas non plus extra. Hein. Ah. Je me fais manger par un BF-109G2. Attends. Me spam sur Steam. Un ordi nuage. Un joueur peut-être. Un labo est rejoint dans l'escouade. Pas de soucis. T'as un bon micro. Hop. C'est chiant, à chaque fois que je fais des acrobaties devant PP, il est pas là pour regarder. Moi je te vois, t'es à 350 mètres. Qu'est-ce que tu parles d'acrobatie? T'aurais dû voir Lycos qui a presque touché mon aile à 10 mètres. Là je suis. Moi pas. Oh, mais il y a encore des nuages dégueulasses! À 2000 mètres cette fois, c'est encore plus bas! Non, pas moi, Spitfire, mais. Tu as un bon micro, oui ou non? Tu as un. Non, mais non, pas moi. Ça veut rien dire! Oui ou non? Alors attends, ton pseudo. Warte. Je suis choqué par tes paroles qui n'arrêtent. Hein. Qu'est-ce que tu vomis? Hitler a dit non, c'est mort. Oh mon dieu. Bon, je vais rester en dessous des nuages, je crois que c'est... pareil, hein, j'ai pas envie de... Non mais c'est purée de poids, quoi. C'est encore un volcan islandais qui a dû cracher son truc, là. Alors, non, c'est pas aussi sombre, quoique. Non, si t'as raison, c'est ça. Une seule fois, avec Avic, j'ai eu une tempête de cendres, de restes de cendres, et il y avait des vents qui venaient de l'intérieur. Et on s'est levé le matin, mais il n'y a pas d'éruption. Non, c'est juste des restes de cendres de l'éruption précédente. C'était juste un mois après la Eyjafjallajökull, l'éruption qu'on avait eu en la dernière 5-6 ans. Oui, mais c'est qui veut vous rejoindre. Ah d'accord, merde. Il y a des mecs qui sont en train de déconner sur ce qu'a dit Kina dans le chat. Il y a Spitfire. Ils ont l'impression qu'ils ont pas vu le message. Si, Spitfire du 60, pardon, je regardais pas le chat, j'ai juste pris le... Donc Spitfire du 60, voilà. Kina, je t'écris le pseudo de notre futur équipier, bon. Quatrième. Parfait. Je te le mets sur le chat de Skype. Invite-le à la prochaine game. Et je vais lui dire, t'as un bon micro. Tu as un bon... et un Skype. Et pendant ce temps-là, tu sais, mon Fokouf monte tout seul en pilote automatique, c'est génial. Pépé, quel est pour toi le meilleur avion, toute faction confondue? Je n'ai pas les skills et les compétences. Je pourrais parler par rapport à mon expérience historique, où je connais très bien, mais pas par rapport à War Thunder. Ça reste un jeu, donc... Ça, c'est Kina et ses mille heures de jeu de dire ça. Kina, c'est quoi le meilleur avion? Et mes 1000 heures, tu veux dire plutôt mes 3000 heures? Mes 3000 heures, putain. moi j'ai 1000 heures, même beaucoup plus, mais je pense qu'il y en a encore plus que moi. Personnellement, mon meilleur avion, ça. Je l'avoue, c'est moi je joue souvent en britannique, mon meilleur avion c'est le Split Mark 5, okay. Avec les 4 canons. Ça c'est mon meilleur avion. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Le Mark 5, là. Si j'exclus les britanniques, parce que quand même jouer Spitfire c'est un peu easy.
Le BF-109F4. Le P-51 aussi. P-51, oui. Depuis qu'ils ont baissé son BR, oui. Parce qu'avant, il était un peu trop élevé puis il se faisait manger à chaque fois. Ah, moi, je parle du P-51. On a un beau fighter, les gars, juste à 5 clics de vous. Et un split avec lui en escorte. Bon, bah, j'aime taper le split. Oh, ils l'escorte, pas du tout. Ils sont ensemble, donc c'est de l'escorte. Ils nous mangent de Howitzer. Tu vois, eux, Darfish, ils ont pas besoin de prendre un bombardier pour toucher, tu vois. Ils font autant de dégâts de toi avec un avion qui peut se battre. Bon, moi, je vais doucement Let's go. On s'attaque au spectre. Allez, on y va, ouais. Par contre, faites gaffe, les gars. Ils sont sûrement pas seuls, ces singes. Ah, putain. Il s'est passé quoi, là? Ça m'a fait peur, j'ai cassé un poulet. Ok, d'accord, il y a déjà un Fokouf qui a mangé le Bow Fighter. GG. J'arrive sur... Eh, les gars, faut pas que... J'arrive sur le split à grande vitesse, là, hein. Ouais, moi aussi. Oh, c'est qu'est-ce qui m'a touché. Oh, c'est toi, la fiche. C'est toi que j'ai touché. Pardon. Oui. Bande de singes. J'arrive sur le split. Putain, il fait quoi, l'enculé? Oh, je peux pas. Ah, c'est le Mark 5, c'est que je parlais, justement. Oh, bon, voilà. Ok. Je prends de l'altitude. Je vais faire un petit peu de débarquement, tiens. Ils sont sûrement pas seuls dans le coin, là. J'ai un peu les boules, moi. Non, c'est bon. Attends, mais y'a personne, hein. Ils sont venus à 3 sur le point. Il est où, le Mark 5? Il manœuvre à basse altitude, le Mark 5? Non, ici, il s'est fait abattre, justement, par le 109. Ah oui, là, je vois ça. Oh, y'a un hiverne encore, mais non. Darfish qui mange des landing craft. Bon, moi, je suis allé. J'ai un avion derrière moi. Oh, putain, j'ai un speaker. Oh, y'a un mosquito allemand qui est là, un TAS-154. Pépé, aide-moi, j'ai un speed juste au-dessus de moi. Juste au-dessus, il est où, Darfish? Je vois pas le speed. Ah oui, je vois, il tombe sur toi, Darfish, attention. Je le vois. J'oublie sur toi, je reviens. Fais gaffe, manœuvre brutalement. Ouf. Voilà, joli mec. Je vais le reprendre, je vais essayer de lui passer une passe. Je suis derrière lui maintenant. Je lui mets une passe dans la... Attends. Oh putain, je prends des coups. Il y en a un autre. Oh mon. Ah. Non. Il y a un autre speed dans mon cul. Ok, c'est bon. Putain, j'ai pris des vilains coups par contre, hein. Oh là 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 là. 129 km/h, je vais... Parce qu'il est le deuxième speed. Je vais décrocher comme une merde. Il est à mes 6h. Oh là là, je prends la bite. Il va me tuer. Là. Il va me tuer. Putain, Darfish, c'est un plaisir de te défendre, hein. Ah, il est là, le speed. Ah, attends, quitte à crever, je vais essayer de l'aligner. Ah. Hop. Ah, fuck. Allez, viens, connard, viens. Oh, je vais l'avoir là. Allez. Oh là là, j'arrive plus à manœuvrer. Ah, putain, j'ai un mec dans le cul. C'est 51. Non. Ok, c'est... tout le monde est là. J'arrive pas à la rattraper. Oh, mais j'y crois pas, je rattrape pas cet enculé là. Mais j'ai un faux coup 190, putain. Je vis pour la vitesse, quoi. Et je vais essayer de rentrer pour survivre là. Parce que. Le fucking spit. Je fume comme une merde. Comme un gros caca. Arrête de manœuvrer. À Bergen, y'a une base. C'est ouais. GG. Tu peux te poser à A si tu veux, mais c'est un peu trop proche. Tu peux aller à... Non, c'est trop proche. Ouais, Bergen, oui, tu peux à Bergen. Ok, bah je vais aller à Bergen. Oh, quoi qu'attends, en A, 409, ouais, non. Oh, quoi qu'attends. Je l'avais pas vu. Je vais y aller avec une paire de couilles. Non. Oh putain, j'ai fait une fière rame par un allié encore. Ouh, ça fait mal. Oh. Par contre, j'ai un mec juste au-dessus de moi, J'ai un mec qui me chasse. Allez, mais meurs, putain, ça fait 3 fois que je te touche. Je vais l'amener sur la DCA. Attends, est-ce qu'il me sous-estime et qu'il pense au point que je ne puisse pas manœuvrer? Viens de battre, mon gars. Ok, non, il veut pas jouer. Oh putain. Ah si, il veut jouer. Il s'est piloté, lui. Oh le bâtard. Oh, Darfish, je t'ai fait manger. Il m'a complètement niqué, quoi. J'étais derrière lui. Ok, c'est pas la peine. Il m'a fait une vieille manœuvre, j'ai pas suivi. Il faut vraiment que je me pose. Je suis en train de fumer comme une merde. Elle va être vengée, Darfish. Inquiète-toi si Kina dit ça, c'est pas bon signe. Oh, je sors le train à 260 km/h, c'est pas bon. Je sors les flammes. Ah bah, il est mort. Landing. Oh, ça va être short. Ça va être chaud. Oh, je me fais tirer dessus. Il s'est craché comme une merde, tu l'as même pas tué. Oh putain, je vais. Non. Et je me suis loupé. Et je me suis fait abattre comme une merde, putain. J'ai eu un kill à 6, Darfish là, sur lui.
J'ai sauvé. Donc j'étais à moitié à sauver. Là, c'est pas moi qui ai eu le kill alors que j'ai touché 3 fois le mec, mais putain. On s'est... Non, ok, on se fait... J'ai eu de la chance quand même, je l'ai touché 3 fois au canon et il a réussi à me repasser derrière et à me tuer. Est-ce que et je me risque à me poser à A? J'aime risquer avec les Landcraft qui vont se poser bientôt. Il y a un TA-154 qui va s'en occuper des Landcraft. Bah alors Spitfire du 60, tu m'as pas répondu. Est-ce que tu as un bon micro? Est-ce que tu as un SCAD? Donc ça veut dire que tu m'envoies le truc de ton SCAD, que pendant maintenant que je me suis fait abattre, je peux t'amener sur la convée en vitesse? Non, je peux pas me poser, je vais aller me poser à Bergen. Bon, pas le choix. Ah la pique que j'ai pris, putain. Longue route. C'est une longue route jusqu'à la maison. J'entends un avion, c'est qui? C'est un TA-154 qui est long. Il y a un P-61 qui est pas long. Il s'est écrasé comme une merde. Oh, GG. Mais bon, ça, moi, ça... Il les a tous tués, moi aussi. C'est... Ouais, mais il a arrêté de caper. Ça a fait arrêter de caper, donc j'ai pu me poser à A. Mais il y a trop de monde, il y a P47, P61. Oh, fuck off. Moi, j'ai essayé de me poser, un speed m'a strafe, et je dois avouer que j'ai un peu mal géré ma vitesse, j'aurais dû mettre du gaz. J'ai me poser à A. No guts, no glory. C'est pas mieux, c'est pas pire que deux Wellington qui se posent en même temps sur le merdier. Coucou, ça va? Et comme je suis une merde, bah j'arrivais pas à les strafer. Ok, P47, tu ne me vois pas. Tu ne me vois surtout pas. T'as un P61, j'aimerais tellement tester cet avion. Le Black Widow. La ouais. Bande noire. On va perdre notre C'était déjà un putain d'avion IRL. Mais bon, il aurait fallu plus d'avions allemands en vol pour que ce soit rentable. Alors, Pierre Onimus, ok, je t'ai... Vas-y! Je retourne en gare pour tout à l'heure, je vais essayer de trouver un avion qui me corresponde un peu mieux. Freine, je suis désolé. Kina, je te vois, tu vas finir à la flotte, Kina? Non, c'est bon. Et voilà. Non, ça c'est maison. Ok, les abonnés de voix, Kina, c'est le plus important. Alors, rajouter un contact, hop. Hop. Il me manque 4 points de recherche pour débloquer le dernier 217. Oh mais non, mais je serai pas hors pas. Oh, faut que je fasse demi-tour. 4 putains de points de recherche, quoi. Normalement, Spitfire, Pierrot, je t'ai envoyé une invite. Putain, mais en fait, en avion allemand, 4.3, il y a vraiment que 2 avions. Hein. Ah non, il y a aussi le ME-410. Alors, mon... Spitfire du 60, regarde. Ah, c'est bon, il a compris, parfait. Je le rajoute à la convée, les gars. Parfait. At people. Pierre. Oh, qu'est-ce que tu fais dedans? Oh my god. Ah putain. Est-ce que je peux réparer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux réparer, s'il vous plaît? Oui, j'adore. Je répare, en fait, 30 secondes. People, Pierre Omnimus, là. Prochaine partie, je vais les troller en ME-410 avec le canon 50 mm. Allez, le courage. Oui. Salut Pierre. Salut. Ça va, vous m'entendez bien? Parfait. Ouais, parfait. Ça vous gêne pas si je peux pas gueuler? Non, pas. Non, disons. Pas de soucis. Ouais, bon, c'est dangereux. C'est Spitfire 60. C'est bon, je l'ai envoyé à Kina sur la Skype, okay. Donc normalement, dès qu'on finit la game, il t'invite dans le squad, vu que c'est lui qui l'a créé. J'en ai un de P61, je crois qu'il est... On va attendre que Kina finisse sa passe d'armes, il est en train de redécoller sur l'aéroport de campagne. Il y a des ennemis dans le coin, Kina, je vois Non, je vois personne. Je vois un Focke-Wulf à 10 clics. Je pense qu'on il nous reste. Il y a juste moi et le Focke-Wulf et dans les alliés. Ouais, c'est du 3 contre 2. Yo le Focke-Wulf. Hey. Ok, il y a 14 km. Donc en fait, je suis tout seul. Bon, prochaine partie, je pars en P47 parce que voilà. Ah, tu veux nous sortir ton gros joujou? Ouais. Bah, il est que 3.7 comme BR, mais BF109, franchement, j'y arrive pas. Bah forcément, ça, c'est un avion très fin d'Arfiche, déjà que tu peines en Focke-Wulf 200, alors un BF-109. Fais gaffe, t'as un Typhoon. C'est le boom and zoom, j'ai vraiment du mal, j'ai toujours du mal. Ta gueule d'Arfiche. Ouais. T'as... C'est bon, tu l'as vu à 5 clics derrière toi sur tes... Moi.
Il plongeait donc. C'est un joueur PS4 un peu, je crois. Comment tu sais ça? J'ai une étoile devant. Xbox sur son nom. Ouais. Ah, d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, plus putain, pépé. Bah, tu crois que j'écoute ce que tu dis, Darfish? Ça fait bien longtemps que dès que t'arrives, je déconnecte. Les rares puis des trucs intéressants, oui, tu devrais. Ah, c'est depuis Stellaris. Darfish, dès que tu parles, je suis comme Matrix, j'enlève la prise derrière, tu sais, et puis je. Ah, je laisse mon cerveau vaquer à autre chose. Tu m'as rendu fou. Ah, je me suis rattrapé là sur U4. Ouais, bon, t'as eu de la chance quand même, hein. On va pas spoil, mais t'as eu de la chance, non. On va dire. Et on a déjà spoil presque. Mais bon, je suis le roi du monde. Ouais, tu parles. Les rois du monde sont au sommet. Tu connais tes classiques, Kina, j'aime ça. Ah, mais il faut. C'est ce que ta copine écoute, c'est ça? Oh non, je l'ai pas vu! Oh putain, moi non! Non! Ça m'a. Non! T51D, oh, tu fumes comme un gros caca en plus. Est-ce que je suis encore manœuvrable? Je suis encore manœuvrable. À peine, remonte. Oh non, je suis pas du tout manœuvrable. Oh, il vient de finir en plus. Oh là là, c'est chaud. Oh là là. Vraiment. Ouh. Oh, même pas. Je peux même pas me finir. Non, il s'enfuit. Bah, en même temps, il prend le feu de la DCA, hein. Oh mon dieu. Je peux rien faire. Okay. Ah. Il y a des petits trous. Oh putain, attends. C'est quoi qui... C'est la... Mais qu'est-ce qui me tire dessus? T'as un typhoon à 4 clics derrière. Mais attends, c'est quoi qui tire dessus, là? Ah, c'est les bateaux. Ah oui, c'est les landing craft qui avoine. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont... T'es pile sur la trajectoire de montée du P-51, en fait. Ah, Herman, on s'en court. Par contre, fais gaffe, hein. T'as un typhoon qui se rapproche, hein. 3 clics. Ouais. 3 clics 7. La problème, c'est que là... Tourner à droite, ça va. À gauche, ouais, un peu moins à gauche. Cette gagne. Ah, je le vois plus, 51, ça me stresse par contre. C'est pas le typhoon qui me stresse, c'est le P51. En fait, il a été malin, le P51, il s'est planqué dans les nuages. Et il est arrivé juste, vu que le plafond est à 1000 mètres dessus toi, il est tombé en fait du plafond et lui te voyait et toi tu le voyais pas en fait. En fait, ce qui m'a sauvé, c'est le bruit du moteur que j'ai entendu à la dernière minute. Excellent. Allez, je te vois. Ah, bah, en effet. Ah, le typhoon est plus près, hein. C'est quoi comme avion, ça, le HE-129? C'est le Heinkel... 219. Ah, c'est le chasseur de nuit, le Heinkel 119 U. Le ok, hibou. Et deux me foncent dessus en même temps. Ah, ok. Le premier avion de la Seconde Guerre mondiale était équipé d'un siège éjectable et qui a été utilisé opérationnellement. Oh, c'est chaud, ça, Kina. Ça, les fesses. Oh là là, ils sont dessus de toi! Yo, je le vois pas l'autre! Y'a le P51! Il a pas réussi à calibrer son tir! Mes flaps fonctionnent encore! Le Typhoon est juste dessus toi! Le P51 revient! Oh là là, oh, là c'est drame. Chaud! Yo là! Oh, il est là! Oh, ok! Ah! Kina, la mort te guette! Ah, il est juste. Non. Ah, il est! Ah. Oh, putain, il t'a loupé. Par contre, le Typhoon, lui, est plus patient. Oh non, il arrive. Le Typhoon va... Oh, il t'a loupé. Je veux ma maman. Le Typhoon est en train de... Et lui... Ok, c'est bon, ils sont tous les deux à un clic machin. Ouais, je vais essayer d'aller vers mon allié, par contre. Ouais, amène-les sur Focus 190, mais je pense pas que ça va être suffisant. Hein. Le 50, P51 ouais. Revient, et le Typhoon est juste derrière. Le P51. Ah il peut t'aligner là. T'aurais pas dû plutôt. T'aurais eu mieux compte de les ramener sur les landing craft. Non, les landing craft, ils étaient ennemis. Ah d'accord, merde. Oh putain! Oh, ça c'est mon élévateur ça. Ouais. T'as ta queue sectionnée. Pas seulement en vrai après une folle soirée avec des furets, hein. C'est littéralement ta queue sectionnée. Tout le haut. Par contre, le Mustang est en... à manger cher parce qu'il est plus derrière toi. Il n'y a plus que le Typhoon. Et le Typhoon, je vois pas. Oh my god. Non, le Focus 190 est en train de manger le Typhoon. Oui, vas-y. C'est bon. Il a engagé le... Oh mon dieu, Kina, tu vas survivre, j'y crois pas. Le Focus est en train de... Il est dans les 6 heures du Typhoon et est en train de le mettre en fuite.
Oh my god. Oh, j'ai survécu à ça. Attends, mon dieu, j'ai parlé trop vite par contre. Ouais, ouais, parce qu'il va sûrement. Oh là là. Non, mais par contre, le Fokouf il arrose. Okay, comme un malpropre, hein. Par contre, là, c'est comment je vais poser mon avion. Est-ce que j'ai encore. Ouais, j'ai encore mes trains d'atterrissage. C'est bon. Alors. J'ai dit. Oh my, mon dieu, tous les trous. Ah oui, mais ton avion là, il fume. Surtout l'arrière là, c'est une passoire. Hein. C'est un miracle que t'arrives à le ramener. Hein. Et la vue cockpit, c'est pas plus beau. Bah, c'est bon. Le Fokulf t'a permis de foutre le camp. Et visiblement, le. Attends, même ta trappe arrière où il y a les trousses de premier secours volées, je vois l'avion. Il y a deux trous. Ton avion, c'est une passoire. Il y a plus de trous. Attends, est-ce que je peux. Est-ce qu'on peut zoomer Non, on peut pas zoomer, c'est vraiment une vue. Putain, mais c'est ça. Il y a des trous. T'as vu ça, Darfish? L'avion, comment il est Ouais, c'est la version suisse du BF-109. Incroyable. On voit les câbles de métal qui amènent aux ailerons arrière et tout, quoi. Mais t'as même plus d'ailerons arrière, Kina. Ils sont troués. Incroyable. Ça fait moi bonne chance. Alors là, putain, fais gaffe, hein. Ah, je vais trop vite, je vais beaucoup trop vite. Si je mets mes flaps, ça fait quoi? Ah, mes flaps fonctionnent encore étonnamment. En fait, ton flap droit est en bon état, par contre, ton flap gauche. Ouais, je compte. Oh là 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 là, on va mettre un peu de puissance là-dessus. Fais gaffe, ok, c'est bon, le Typhoon est P50. Je compte beaucoup trop sur la gauche. Attends, hop. Ouais, carrément. Encore à droite, Kina. T'es pas aligné là, pas du tout. Ah ouais, je vois ça. Vas-y, Rabat, baisse tant que tu peux, fais de la manœuvre de merde. Attends, hey, si t'arrives à te poser juste après la bande rouge de terre, c'est bon, hein, après la butte. Ouh. Par contre, fais gaffe, il y a la tour en face, hein. Mais je sais, mais je peux rien faire. Ah, c'est bon, attends. C'est bon. Oh, la tour, Kina, manœuvre. Non, c'est bon, tu vas te poser avant. Oh, c'est chaud. Non, c'est bon, GG. Oh, magnifique, se poser. GG. Alors là, tu rentres dans un état. Je dis bravo le maître, hein. Waouh. Ça, merci, c'est des skills, hein. Merci. Bravo, merci. Hein. L'état de l'avion. Eh, t'en as moins pour une minute de réparation, là. Hein. Au moins, tu as réparé ça. T'as ramené une putain de passoire, là, Kina. Ouais, je pense que l'avion, il va directement à la 4, en fait. Ok, j'avais... Non, là, le train arrière, en fait. J'avais plus de train arrière. C'est rare. Ah ouais, d'accord, t'as même pas de roulette arrière en fait. Elle était arrachée. Le Fokouf est encore en train de chasser le Typhoon là-bas, ils ont 1 km de distance. Combien de temps de réparation, Kina? Il me reste 2 secondes. Ok, je vais aller. Je vais aller voir le Fokouf. Ouais, d'accord, le Fokouf est sous le Typhoon. Il prend l'altitude. L'ingénieur réellement, c'est quelque chose quand même ça. Hein. Ah ouais, ça faut oublier. En fait, il avait réparé avec du scotch pour boucher les trous. Scotch tu parles, ils amènent là de. Le vomi de la veille, et puis on bouge ça avec un peu de plâtre mélangé à ça, et puis voilà quoi. T'as le Typhoon qui va plus vite que le Fokouf 190. Ouais, mais en même temps, le Typhoon, c'est même pas une surprise, hein. c'est un monstre. Et voilà, un avion tout neuf. C'est ça, t'as juste échangé pour le truc du coéquipier. Ok, il se rapproche. Allez, le Fokouf, voilà. Pas de lag ici, il y a des montagnes. Est-ce que t'as la version... Ouais. Le F8. C'est quelle version le F? Je connais même pas. C'est pas F8, il a c'est pas chasseur bombardier le F? Le F? La version F? Ouais, c'est attaque au sol. C'est attaque au sol, ouais. C'était ouais, il a 4 canons dans les ailes, il peut avoir des roquettes. C'est le seul Fokouf. Deux canons 30 aussi, sous les ailes. Ouais, des 30 aussi, ouais. C'était le seul équipé en vol de nuit avec toutes les aiguilles qui étaient en luminescente et compagnie, le F. D'accord. Je crois que c'est la Sturmkampf Geschwader 10 qui était équipée, les premiers à avoir été équipés en F8, ou en tout cas en version F pour aller bombarder l'Angleterre de nuit, balancer une petite bombe sur Plymouth et aller troller les mosquitos et compagnie. Bon bah le Fokouf a pas poursuivi le Typhoon parce que le Typhoon il allait se planquer sous la couverture des Learning Craft. Il a eu raison. Bon, Kina, c'est fini cette game. J'essaie de la finir. T'as trop de skills, Kina, les games durent trop longtemps avec toi. Désolé. C'est pas ma faute. Au moins, t'as pas de problème avec moi. Oh bah, comme moi, Darfichin. J'arrive, je meurs, quoi, tu vois, simple et efficace.
juste avec Darfish, c'est 5 minutes, ça finit. Que t'es un bombardier ou un chasseur, c'est pareil, hein. Non, le bombardier, des fois, j'arrive à rentrer en vie. Et avec les Junkers 88, même des fois, je sais faire 3 passages. Par contre, ah ouais, mais le Focul, je l'ai vu cramer... C'est 52, donc... Le Focul, je l'ai vu cramer énormément de munes sur le Typhoon, il n'est pas rentré à sa base, hein, donc c'est que là, il doit être presque à sec, le Focul, fin. Il y a beaucoup de munitions, hein, sur le Focul. C'est quelle version qu'il a? Le F8. On a déjà dit Darfish. Je sais pas, ça pourrait être un autre. Bon. Le F8, il a... Il a 500 munitions de canon de 20 et 2000 de MG13. Ouais. Alors, il est en train de guetter que le... Il est en train de... d'attendre que le Typhoon décolle, il est malin. Et il va essayer peut-être de le choper sur la descente. Le P-51 a utilisé un Nord Blind Hunt, fait que lui est capable de me voir P-51, là. Mais l'avantage, c'est qu'il voit pas le Fuck Wolf. Donc, j'ai peut-être sorti des nuages, par contre. Si P-51 va me refaire le même coup. Est-ce qu'il va mettre Typhoon? Putain, mais le Fuck Wolf monte là et attaque le Typhoon un peu là. Ouais, je pense que le Fuck Wolf t'attend, en fait. Ouais. Là, te v'là. Parfait. Je suis à 4 km du Typhoon, même peut-être un peu moins, je crois. Le P-51 me stresse un peu, par contre. Il doit être dans le coin, hein, le Mustang. Mais le Typhoon, il tourne pas, donc peut-être le P-51 dans la même direction. Ouais, voilà, il tourne, donc le P-51, il doit être dans son coin, là. Ouais, tu m'auras pas. Oh putain, il est juste derrière. Ouh. Ah, le vil coquin. Il y va, c'est bon, le Focouf a vu qu'il a. C'est bon. Il suit, il arrive dans. Il va. Le Focouf se met dans ses 6 heures. Oui, Kina! Let's go, tchao! Ouh! Le Focouf, il m'a pas. Allez, le Focouf! Allez, le Focouf! Il est encore derrière moi? Oui! Oh, ok. C'est bon, il a décroché et le Focouf suit. Par contre, le Typhoon revient à grande vitesse. Ouais. Le Typhoon, par contre, j'ai perdu mon flaps, donc niveau manœuvrabilité. Le P-51 a disparu dans les nuages. Non, il est là. Et il est en rade de vitesse le Mustang. Oh, shit. Il est ouais, c'est ça, le Mustang vient de décrocher et il va vous retomber dessus. Et oh, le la DCA, ça fait mal, ça fait mal. Le Mustang redescend à grande vitesse qu'il a juste sur toi, ça... je sais pas trop où t'es. Oh non, la DCA va m'abattre, Il y a le Mustang aussi. Ouh. Oh, ce combat. Oh, le Typhoon est touché. Le Typhoon vient de Almateur en feu. Il tombe. Je l'ai foutu en feu. Et c'est bon, il est mort! GG! P51, you! P51, il est. Allez, le faux coup, qu'est-ce que tu fous, tu l'as? Oh non, mais le faux coup, il fallait louper une espèce d'occasion. Il est en train de grimper à la limite du crochage. 1v1! Allez, Kina! Attends, je vais passer sur Kina. Hop! Voilà. Non. Ah putain, La dessin m'a mâché un peu beaucoup. Ah, oh putain, mais t'es encore dans un sale état, t'as perdu un de tes flaps et tout. T'es avec Kina, t'es un espèce de... très content. T'es, il est juste au-dessus de toi là. T'es à, 160 km/h, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que je vais être capable de le rattraper comme ça? Tu le rattrapes, oh, allez. Vite, hein. Oh là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait par contre. Il faut cool. Oh, come on. Allez. Fais-moi pas ça. Ne me fais pas ça. Le faut cool. Il a été emmené parce que là, mon avion peut pas tenir. Hein. Ah, il disparaît dans le plafond. Oh, ouais. Ah, il a foutu le camp. Ouais. Putain. La DCA. L'avion. Le moteur, c'est quoi? Ok, c'est le faut cool. Ok. Tous mes sens sont en alerte. Alors attends, il est juste... Ah, je l'ai vu. Il était à tes 6 heures, mais il est à tes 6 heures au-dessus. Hein. Il a pas bougé encore. Au-dessus. En fait, en bougeant, je vois le bug. Il a le soleil qui reflète sur son... Attends, il faut que j'arrive à le... On va le rencontrer dans les nuages. Kina, reste appuyé sur J. C'est une touche magique pour tuer tous les ennemis. Il y a Alt F4 aussi, qui apparemment, ça fonctionne. Alt F4?
Moi c'est simple, j'enlève la prise en bas, tu vois, ça va plus vite. Mais que s'est-il passé? J'étais en train de perdre, encore. Non mais juste ça marche très bien, il faut juste rester appuyé un petit peu longtemps parce que si tu fais juste un coup ça marche pas. Arrache-toi Kina, essaie d'aller te poser hein, parce que là... Mon moteur va mourir. Ah! Derrière moi! Ah, je Kina, est-ce qu'il y a moyen que je ramène un avion japonais? Et on peut faire un truc multination, je sais plus. Oui, tu peux, mais la file d'attente va être beaucoup plus longue. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Tu vas me retrouver dans une bataille mélangée après. Ouais. Donc non. J'aurais bien aimé sortir le Ryusei ou. Sors. Oh putain, il est Tsukina! Oh ah laisse-moi tranquille! Ah, il t'a. Non, il t'a. Comment je peux manœuvrer l'avion? Oh, mais t'es quoi? T'es plein de trous! T'es plein de trous! Vas-y, fais quoi? Incroyable! T'es une passoire, mec! C'est pas un avion que t'as! Ça y est, mon moteur est mort. On va aller voir les poissons. T'es une putain de passoire. Ouais, en plus, là, bah, éjecte-toi, hein. Saute-toi en parachute, et après, à la nage, t'arriveras à revenir. Je viens de finir un bouquin sur les opérations de l'escadrille qui bossait au Cap Nord dessus Mourmansk pendant quasiment 3 ans. Il y avait une escadrille de bombardiers, une escadrille de chasseurs. Genre t'as les mecs un dimanche, ils se font abattre en Norvège, genre au large des côtes, ils arrivent à amerrir, ils sont restés 3 heures dans leur dinghy dans l'eau qui était genre à moins 2, moins 3. Et genre les gars, putain, pourvu que le vent se lève pas parce qu'on est dans la mer, et alors t'as un espèce d'affreux Heinkel qui est venu les chercher un Heinkel 196, un hydravion, qui est venu les remonter les gars, putain, tu te dis putain. GG Kina, hein. belle bataille. Hein. Ouais, ça va, j'ai un peu la conclusion que je voulais, mais... T'as fait le spectacle, on va dire. Ça valait le coup d'œil en tant que spectateur. Ok, bon, je vais rajouter... Speedfire 0. Ouais, je t'ai mis le... Sur la c'est où? C'est en haut, c'est point 0. Ouais, c'est bon, j'ai mis sur la conversation. Ah, ok. Bon, il a qu'à copier-coller... Le merdier, normalement. Alors. Spitfire 060, c'est bien ça. Moi, ça me dit inconnu, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu vois l'invitation que je t'ai envoyée? Oui, c'est bon, je... Ah, parfait. Mais le G5N, il est que 4.3. Excusez. Bon, bah, je garde là encore mon fort cool, enfin, je vais essayer de faire mieux. Et je voudrais bien voir autre chose que Norvège, putain. 190 à 4, c'est ouais, petit. On est en 4-3 Ouais, en RB. Bon, je vais garder mon G2. T'as fait le boulot avec, hein, ça. Chapeau l'artiste, hein. Ça, c'est... Il me manque 4 points de recherche pour débloquer le Dornier 217. Le bombardier ou le... Le G1. Ah, d'accord, le bombardier. Ah oui, d'accord. Putain, pourtant, c'est le 1.7, c'est vraiment de la merde, quoi. Hein? Le tout premier? Ah non, le dernier 217! Oui, 217, le E. Ah ouais, d'accord. Mets-toi près d'Arfèche. Ouais, ah, au lieu de nous raconter ta pitoyable vie. Attends, j'ai 49 996 points sur 50 000? Putain. Dépense des Golden Eagles, si t'en as. C'est ça? Clac. Attends, je regarde que ça me coûterait de Golden Eagle. Sors la carte bleue d'Arfèche. Ah, ça me coûterait 1. Bon, ça fait un peu cher quand même. C'est cher les 4 points, hein. Ouais, c'est clair. Bah, après la game. Bah alors, Kina, ouais. Est-ce que tu fais des tournois ou des events des fois? Même pas. Oh bah, tu devrais. Vous aviez pas fait des tournois avec les SKSE? Le problème c'est que je suis un homme très occupé. Du coup, à chaque fois que ça se passe, je suis jamais là. Ah, bah, je me souviens quand j'y étais, les SKSE, des fois il y avait des tournois. Bon, moi j'y allais pas parce que j'étais mauvais, mais. Non, mais j'aimerais bien y participer à des tournois, mais le problème c'est qu'au Québec il y a zéro tournoi de War Thunder. Et quand ça se donne en ligne, soit je suis pas là, soit je suis occupé. Salut les gars, salut tout le monde. Je vole souvent en solitaire. Alors, hop, on a trouvé, je vois, parfait. Allez, c'est Sicile ça ou. Ouais. Ouais, je vois les trois losers sur la piste. Les trois singes. Et où? Regardez, moi je suis déjà en l'air.
À l'autre en P40. Ah non, me dis pas que t'as. Ah oui, t'as sorti ton joujou. Regarde, dis-moi d'affiche, avec tes 2000 victoires, là, je suis un peu déçu quand même de tes skills glow. Ah mais je suis mauvais, hein. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué en avion. Ouais. Dernièrement, je joue qu'en char. Ah, tu m'étonnes. Ça marche plus en char. En char, c'est bien meilleur. En char. Je demande, hein, je demande. Globalement, t'as moins de choses à gérer, quoi. Tu te caches et puis t'alignes tout droit, voilà quoi, c'est... Bah, en fait, j'ai joué très très peu en réaliste en avion parce que je trouve ça hyper chiant. Tu mets 20 ans à arriver au contact et tu te fais défoncer. Oh le... Alors, ouais, en char, tu préfères... 5 minutes, quoi. Attends, moi je trouve que ça va, quoi. Tu vas voir en simu, c'est sympa, quoi. Cette partie-là, je la connais moi, puis je te dis ça quand est-ce qu'on rencontre nos premiers ennemis. Ok. En 8 minutes, ça va être fait. De toute façon, c'est simple, hein. Il y a une heure de bataille, là on est déjà à 2 minutes. Bah, ça dépend si Kina veut jouer au héros ou accepte une mort épique et glorieuse en crachant son avion en revenant à la base, tu vois. Pourquoi pas les deux? Pas faux. Bon, j'ai fini mon petit malt cidre danois. Le cidre danois, ça existe ça? Non, c'est pas du cidre danois, c'est du malt ambré, c'est du truc à 3%, c'est... J'aime bien ça. Ça évite de te prendre une cuitasse méchante. C'est vrai que c'est compliqué, hein, de se bourrer à ça. Ah putain, tu te mets sous perfusion, t'es pas en une heure, t'es fort, quoi. J'ai déjà fait une fois une soirée 100% au cidre, ma putain. Le lendemain, t'as pas mal au crâne, hein, au moins. Bah, c'est ce que tu parles, là. Le cidre, c'est du lait, quoi, le machin. Là. Ah, où t'es, Darfish? Je te vois pas avec ta crotte, là. Ah, t'es là-bas, d'accord. En droite. Ouais, je suis 3500 mètres. T'es à 500 mètres. Attends, on a un 410 qui se fait plaisir. On a 129 aussi avec nous. Ouais. Ben... Wellington, ça c'est... Hein. Non, on n'a pas gombardé. Bon, quoi qu'on peut considérer le Heinkel 129 comme un gros un Stuka amélioré, quoi. Tiens, j'avais jamais vu qu'il y avait des petites icônes pour les pods. Si, ils les ont ajoutés il y a pas longtemps et c'est pas mal. Ouais, c'est pour ça, c'est nouveau. Les gars, deux Black Widow. Ouais, ça pique en plus. 3 Black Widow, what the fuck? 4 Oh, oh non, c'est ça, leur bombardier. Nique sa maman. Bon bah on va prendre de l'altitude, hein, et puis on va aller essayer d'aller chasser. Hein. Ils ont quoi? Oh, il y en a déjà un qui est mort, génial. Une passe. Ah, oh, c'est le mosquito qui l'a mangé. Par contre, le mosquito s'est fait remanger par son petit frère derrière dans la foulée. L'Angleterre 154 avec ses 30 mm. Bah alors, Darfish, avec ton P47, qu'est-ce que t'attends pour plonger sur le P61? Je suis en train. Ah, je te vois. L'Angleterre 154, c'est déjà de quelle heure? Ok, il a été abattu. Bon. Ouais. Là, c'est quoi ce bruit derrière? J'ai l'impression que c'est un bruit de ventilateur, c'est ça? Un ventilateur un peu agressif? Allez, brûle! Salope! Tu l'as eu, Darfish? Ah, moi aussi, mais putain! Kina, est-ce que t'as ton chrono? Je crois que c'est plutôt 4 minutes. Il y a un F4. Ouais, 4 minutes. Bah, tu vois, Darfish, c'est pas 10 minutes. C'est pas, ça va vite quand même. Alors, ouais. Oh, on a un Hera Cobra, Corsair. Ah, ouf, j'ai eu le kill. Il a pas réussi à me le piquer, l'autre connard. Double Corsair. Allez, c'est fini. 5 minutes de bataille. Ah, mais ce bâtard, il m'a mis un hit, quoi. On change pas ses habitudes. Bon bah moi j'ai fait un kill là. Bah oh oui, GG. Kina et Spitfire, je suis derrière vous. Ouais, je te vois. Hop. À 5000 mètres, j'ai l'impression que tout le monde est en bas de 5000 mètres pour l'instant. Quoique, on a pas vu tout le monde encore. Oh ouais, il y a un... Hein. Côté océan, je vois rien. On va pouvoir commencer à se rapprocher des autres là. Ouais. On commence à être au-dessus. Ouais. Là. Ah, oh putain, il y a un P51 qui est haut. P51, hein. Ouais.
il est en train de... y a, les gars, il y a un Mustang, il y a un Mustang en face de vous qui est en train d'arriver. Ouais, ça c'est... ça va pas mal. Il y a les 4 canons. Ouais, montons. Non, il y a un petit enfoiré. Il est seul, l'animal là. Ouais, il est seul, hein. Autant essayer de le manger, hein. Ouais, mais il me fonce dessus quand on t'arrive. Laissez-le moi, j'ai 4 canons de 20. Mais t'es où? Bah, je suis juste derrière. Oh, t'as 6 km. C'est ça. Ah, c'est bon. Attention. J'arrive. T'attaques? Bah, je te suis. Hop. Ok, je pensais t'attaquer. Ok. Attends, parce qu'il tombe. Non, bah, il tombe. Il a raison. Et il se rapproche de. Il file vers ses copains pour avoir un. Il remonte, les gars. Il va essayer de vous accrocher. Il y a un F4 dessous vous, hein. À 4 clics, hein. Il va perdre. Il va décrocher. Là. Ah, il va décrocher, ouais. Vas-y, speed. Je fais ce que je peux. Ouais. Il va repiquer. Non? Si, ça y est. Mustang, non, je suis plus rapide que lui. Je suis juste derrière toi. Il tombe. Ouais. Ouais, et il tombe. Je vais peut-être réussir à lui mettre une passe de tir. Ouais, ouais, il s'éloigne de moi. Ah, derrière. Hop. Il regrimpe. Hein. Ok, par contre, moi je suis en train d'arriver à grande vitesse sur lui là. Je vais réussir à lui mettre une. Oh ouais, regardez, oh putain, alors là il fait une espèce de pigeon. Ah ouais, vas-y. Non, je l'ai pris. Il vient sur moi. Fais gaffe au face à face. Oh, bon, je suis un idiot moi. Attention au face à face, ouais. Ok, c'est bon. Ah, je suis loupé. Attends, il tombe. Je le reprends. Ah, j'aime pas quand ils sont comme ça. Hop. Par contre, le problème, c'est que moi, hop là, je suis pas bon du tout. Tombe. Ça vient. C'est bon, non, je peux avoir. Hein. C'est bon. Ah, derrière toi, Pépé, derrière toi. Ouais, je sais. Le problème, c'est que je suis pas aussi maniable qu'avec attention, un. Attention, ça tient. Ah, la mort me guette. Ah, ok, il fume. Ouais. Il essaie de m'accrocher à tout prix. Ouais. Il prend des balles, mais ça peut l'air embêter. Ah, il m'a eu, mais non, pile au cas où d'une balle, mais putain, mais gros fils de pute de château de merde, quoi. C'est exactement ça, parce que je lui mets des coups depuis tout à l'heure et il s'en bat les steaks. Yep. Une balle. Pilote knockout, ok. Ouh, ok, notre team s'est fait manger. Ah, je me fatigue des fois. Ah merde, j'ai quitté, je suis allé retourner en hangar. Non. C'est pas. Il y a P63, Corsair. Attention, il remonte un P51. Hop. Oh, ouais. Ah, je suis en perte de contrôle. Allez. Il est là. Il y a deux P51. C'est bon. Ben, putain, j'ai tombé sur les deux P51. Ah oh, oui, attends. Merde. Hop. Ah, oh, c'est du 2 en plus. Oh là. Ah, il est derrière moi l'autre. Vas-y, tombe mon joli. Ouais. Ouais, à 600, je suis un peu moins manœuvrable par contre. Ouais, la même. Puis mon moteur échauffe. Attention, il y a un deuxième airplane. Oh, ils sont deux. Control, come on. Allez, non, réveille-toi! J'arrive. Oh putain. Mon pilote 5. Merde, hop. Aïe, oh, il mange. Je vais l'élévateur, ça y est. C'est la fin. Ah, merde. Oh, puis j'en ai 4. Sans Kina. Sans ton gain, vas-y, abalé. Ah ouais, ouf, notre équipe se fait manger. What? Aïe. Ah, ça y est, il va s'en occuper. Plus de pilote. Ah ouais, ils étaient 4 sur toi. Ça devenait compliqué. À 2, c'est gérable, mais quand ça a 3-4, non. Ah non, non, évidemment, c'est la fin. Ah bah les mecs font des passes chacun leur tour quoi, on grimpe, on descend et puis... Tu fais une manœuvre, tu dois... Aussitôt t'as fini, t'en fais une nouvelle. C'est ça. En fait, t'as toujours les uns en arrière.
Est-ce que j'ai quelque chose de peut-être plus manœuvrable? Avec les Allemands, qu'est-ce que j'ai de manœuvrable? Oula, les Allemands. Bon, à part le G2, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on a de plus manœuvrable? 4.3. Et toi, Spitfire, wow. Tu t'en sors ou alors t'es à l'agonie aussi? C'est quoi, dans la partie? Bah, je suis mort. Ah bah d'accord, bah... Oh ouais, donc on peut... Bon, on est 4 contre nous 2, donc... Ah ouais, non mais pas la peine, alors on va lancer. Ça, c'est moyen. Ouais. C'est tout ça manger. Ça me permet de faire knock-out avec une balle, tu vois, ça me... Ah bah il m'est arrivé le même. Il m'a mis une rafale, c'est fini. Bon, je vais rester en faux coupe sur 90 avec moi 4, hein, je vais... Allez, switch. Et au pire, si je vois que c'est trop dur, après on reviendra en 2.7, je reprendrai mon Junker 88. C'est une valeur sûre, j'arrive à toucher à chaque fois avant de me faire manger comme un gros caca. Donc... Oh Norvège, mais non, mais 4 cartes, 3 Norvège, me faut arrêter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Essen là, des cartes. Putain, mais... Gaijin avec leurs cartes pourries là. Leurs cartes cancer, merci quoi. Hein. On a plus de chance de prendre Essen quand on est en tier 1 parce que c'est plus une carte de tier 1 justement. Norvège, c'est beaucoup plus pour les plus haussières. Ouais, bah on va revenir en. Je vais sortir mon Uncle 51 upgradé à fond là, tu vas voir. je balance des briques par le cockpit. Hein. Moi je sors le Falco. C'est parti hein. Bah, je peux sortir mon 189 alors. Mon moment préféré de la partie, c'est quand je survole la piste et que je vois tout ça apparaître comme des merdes. Avant de te faire abattre. En même temps, Darfish, oh, t'as quand même réussi à avoir une victoire, c'est... Non, c'est en l'air. Ah, ah ouais, non, on est 47, mal, on est dessus toi. Darfish, dessus toi, gros caca. à faire le malin, là. Ah, je suis tellement deg. Avec ton P-47 capturé, quoi, putain, sans déconner. C'était quoi le nom de l'escadrille allemande qui opérait les avions capturés? La Jagdgeschwader 400, je crois, ou un truc comme ça. Avec leur faux B-17 et tout. Ça, c'était un poste de planqué, mec. Bah, infiltrer les bugs de bombardier. Non, ça. Il n'y a jamais eu de rapport officiel comme quoi c'est arrivé. Mais bon, le problème, c'est que la Jackasson, elle a détruit toutes ses archives à la fin de la guerre, ce qui fait qu'on n'a jamais eu les vraies opérations. Mais il y a eu des rumeurs comme quoi il y a des B-17 qui ont tiré sur d'autres B-17 qui ne répondaient pas à des noms de code qu'ils avaient par box en fait. On va savoir. Attends, est-ce que je suis en train de rattraper Darfish? Non. Ah non, tu me largues là, ça y est. Ah, je t'avoue que les avions allemands, c'est ceux que j'aime le moins des 5 nations. Forcément. T'es un gaucho bobo, donc tu ne peux pas aimer la... Ça n'a rien à voir avec ça, c'est la German Engineering, je peux comprendre. Trop de qualité pour toi. Voilà, forcément, tu es... Bah, est-ce que les Speed, ils sont pétés? Speed, oui. Typhoon... Bah, c'est sûr qu'après avoir volé soit un Spit ou un Zéro... Ouais, le Zéro aussi, mais le Zéro est super fragile. Ouais, mais sa manœuvrabilité là, par contre... Ouais, et puis il est pas très rapide non plus. Bah, sauf par contre, c'est le truc chiant, c'est quand t'as fait du P-51 en Zéro et les P-51, tout ce qu'ils font, ils te font une passe, et après ils s'en vont. Bye bye. Et hop, on grimpe dans... Au moins cette fois, Kina, regarde, le bon côté, y a pas de plafond. <C'est>... Le mec pourra pas foutre le camp à la limite du décrochage pour aller se planquer dans les nuages, tu vois. Notre champ de vision est beaucoup plus amélioré avec ça. Et merde. Par contre, on a quoi dans notre team? On a du BB 238, du 2D19, 154. Putain, on a un mec qui nous sent le mosquito chaque truc. Hein. Il est sympa le mosquito en plus. Hein. Moi ouais, j'allais aussi, j'avais le PA-150. Je sais pas, je l'ai sorti au pire. C'est un avion qui a été fait par un joueur en plus. Il a un petit 30 mm. 2,30 mm. Oh, 2,30 2,30 devant, ouais. Ok, on a un SB2 qui s'amuse. Ah, c'est le. Mais moi je qu'on joue tout le temps contre les Américains et les Anglais. Combien je joue un peu contre les Russes. Ah non, moi ça va. Les Russes, ça pique. Non, c'est Gaijin, faut pas. Ouais, ah ouais. Oh, Mitchell. C'est des conneries, le pro-Russian BS. Silence, Darfish. Tu joues beaucoup du Yak 3 ou pas? Parce que personnellement, je trouve pas que ça des conneries. Même le Yak 1, il fait bobo, hein. Ah ouais, ouais. J'étais en Angle 100, puis d'un coup, Yak 1, à quoi? Comment ça? Est-ce qu'on se fout de ma gueule? Ils se sont jamais rencontrés, les machins, mais genre... Oh, t'as encore du Black Widow, mais ils arrêtent pas avec le...
Darfish, bah, tu veux te rabattre sur lequel, le Black Widow, le Mitchell? Non, je pousse plus à ça, moi. Traumatis. C'est ce que t'as dit après avoir perdu ta virginité anale, Darfish? Même pas, il m'a pris par devant. Mon dieu, il en avait une sacrée alors. Sacrée balèze, hein. Ah bah vous attendez, vous. Attends, moi je vais faire les Diablo Fighter, hein, c'est moins risqué. Les Diablo Fighter, tu sors ton P47 là pour aller taper les Diablo Fighter, quoi. Attends, j'ai un BR vachement inférieur au tien. Je suis que 3.7, toi, monsieur. Oh, arrête. Ouais, et encore, en arcade, cet avion, il est que 2. Tu as un avion premium, ce qui veut dire qu'il aura un pay to win, quoi. Ah, les avions premium sont pas tous cheatés. Hein. Bon, j'ai pas trop envie ils sont à 3 contre 2, là. Je vais essayer d'aller taquiner le B25. Avec. Bah, si tu veux, on va sur le B25 à 2. Vas-y, on y va à 2, ouais. Ah, pas trop. Faut que ça pique, hein. Par contre, y a du monde dessous, hein. Je sais pas si t'as vu, mais. Double. R à Cobra, SB2, P71, si le B25 il tombe un peu. Il y a deux bombeurs à gauche qui vont vers les bases. Ah, je les vois, ouais, j'ai pas la vision dessus. C'est de B25. De B25, ouais. 6000 mètres, rien à signaler. Avec un peu de chance en Halifax. Bah. Ok, il y a le T54 qui se rapproche. Putain, il est fou que le T54, ils sont 4, dont 3 chasseurs là. Il y a une espèce de paire de couilles, ouais. Le machin, et en plus. De B25 à gauche. Ah oui, je les vois. 13 clics, ouais. Ouh putain, fais gaffe, t'as un speed dessous toi, Darfish, qui est en train d'arriver à grande vitesse. T'as un speed à ton attitude, Darfish. Ça ou ça? Ah oui. Et c'est une team, hein, c'est les. Putain, y'a un speed dessus toi, Darfish! Y a un speed. Moi, je dégage de là, hein. Je fuis. Je m'arrache de là, je m'arrache du pot de cul, là. Ils sont tous là, hein. Le speed à mon altitude aussi. Bon, normalement le speed je le trace, mais bon. C'est jamais. Je vais aller jouer avec les B25. J'ai pas les skills pour aller taper autant de chasseurs. Non, ne m'abandonne pas. C'est bon. J'ai besoin d'un bait. Aide-moi. J'ai besoin d'un bait. J'ai besoin d'un gros appât bien doux. Viens vers nous, Darfish. Allez, sois mon bait, Darfish. Sois mon bait. J'ai 3 speed au cul. Ouais, Darfish, tu t'es fait manger. T'en as 4, mec. Darfish. Oh mon dieu. Regardez, c'est Darfish, le mec dans la vidéo de TV sur Stellaris. Mangez-le. Je sais pas qui attaquer. Bon, Darfish, tu m'en veux pas, mais je vais couvrir notre base, hein. Putain, ça y est, je suis en feu, allez. Darfish. Je pique pour essayer d'éteindre le feu, on sait jamais. Coupe le moteur. Oh, un Marsin, comme ça, je peux les gars, vous êtes. Ils sont calmes, bon, y'a un mec d'une team, quoi. De deux. Si tu marques 9. Moi, je fuis lâchement, hein. Bon, bah, je vais me poser, hein. Oh. C'était ça. Non, ça, c'était mes flaps. Si t'arrives à survivre, Darfish, je suis dessus, toi, Darfish. Hein. Où est-ce qu'elle est, la base, hein? Alors, la base, elle est. À ta gauche. Oh, je suis pas bien. Dans le caca. Oh ouais, les deux slits sont derrière. Arrachez-vous, les gars, vous êtes à 1 contre 2 là. Je peux encore voler. Puis les deux slits sont sur moi aussi. Premier, 25 premier B25 abattu. Ah. Il est où le deuxième? Je l'ai perdu. Il est mort. C'est mal tranquille. Ah non, flûre. Il y a deux à une queue 219, quoi. Mais il y a encore un BF109, ok, d'accord, je comprends. Attends, mais ils sont faits. Ils m'ont lâché, c'est bon. Mais il me suit à cette vitesse. Ouais. J'arrive. Je reviens. Allez, mais putain! Il me manque un B25 là. Vas-y, c'est bon, je rage quitte, hein, j'en ai marre. non. Tu t'es fait manger là, non? Attends, si tu marques 2B, on doit pouvoir se le faire. Ah, le mec il me rame et il arrive à avoir le kill, j'ai pas compris. Oh, c'est pas grave, on perd le contrôle. Ah, il est là. Putain, un P73. Putain, mais. Alors, toi, mon gars. Mais il est où? Je le vois pas. Il y a un SB2 qui s'est crashé. Oh non! Merde. Hop. Ah, il est enfoiré. Au moment donné, j'en ai plus pour longtemps. P25, ok, bah tu. Bon, je propose qu'on aille dans des tirs un peu plus bas. Ouais, je vais retourner en junker. C'était plus amusant de commencer à 4000. Je propose qu'on aille. Là, les splits s'amusent avec nous en fait là. Ouais, c'est clair, hein. Ouais. Ils jouent à la nourriture. Hein. Moi, je sortirais bien mon CR42. Ah, voilà, 700 km/h. Je vais essayer d'aller taquiner le R à Cobra. 800 km/h, non, Pépé, tu dois pas être gourmand.
Pépé, tu vas te cracher. Voilà, c'est bon, il s'est joué. J'en ai forcé. Il m'a vu j'en venir. J'en ai peut-être craché un. Oh, deux. C'est la team qui s'est plantée, les deux. Ouais, je pense que... Je vais être face à face avec un spit, et je pense qu'un carcasse va frapper son camarade. En me fonçant dessus. Attends, il faut que je retourne sur le battlefield, putain, mais j'ai quitté le champ de bataille, d'accord. Pépé, où est-ce que t'es? Je suis en train de taquiner un Heracobra, il y a deux Heinkel 219. Okay. J'ai regardé Spit. Ouais, ok, c'est correct. Compliqué. Ouais, bien sûr. Je reviens vous aider chez vous là. Ah, bah moi je suis mort, ils sont à. Ça y est, les deux Heinkel 219 ont mangé le Heracobra. Moi je rentre, hein, parce que là ça devient galère. T'es mort, Kina, ou. Merde, pourquoi ça tire? Ouais, j'ai foncé glorieusement sur un Spit. D'accord. Je vais faire la couverture des deux Heinkel 219. Je vais laisser remonter. Il y a un autre P63 qui arrive. Hein. Ah non, c'est bon. Oh putain. Y a-t-il quelqu'un proche de toi, Spit? Non, même pas. Ah. Fais gaffe, t'as un Spitfire ouais. Sur tes arrières. On est en train d'arriver, mais on va mettre un petit peu. Ah ouais, mais le Spit, tu. Pour l'instant, je le mange, mais quand il va me voir, ça va être différent. Je suis à 8 clics derrière lui. Je me rapproche à grande vitesse. Tiens bon, 7 clics. Et on a un Heinkel 219 et un BF-109 qui arrivent aussi dans la même direction. Bah, il manque une partie d'air. Non, c'est bon. Le speed full camp, tu vas pouvoir réussir à rentrer, ça va te poser. Ah, le plus dur, c'est de me poser, à mon avis. Ben. Ouais, je crois aussi, ouais. Oh là. Oh, bon, oh mon dieu. Tu pouvais voir ça, Pépé. Oh, tu sais, j'ai l'habitude de voir des avions en morceaux. Hein. C'est mon état naturel, globalement, hein, en junker, quand je me pose avec un mètre d'aile en moins de chaque côté. Je suis content. J'ai l'impression que c'est une réussite. Plus jamais un avion en... Tu t'es mangé des coups au moteur, Spit? Non, pas du tout. Il n'y a que l'aile qui a pris, mais elle a bien pris. Ah, ok, c'est bon. Non, je crains, c'est quand je vais atterrir. Enfin, essayer d'atterrir. Ouais, là, va falloir que... Prendre la distance, parce que si ouais. Tu sais que c'est là que ça va foirer. Je sais pas si mes volets ont pris, par contre. Ok, j'ai un speed qui arrive. Ouais, et en fait, le speed, c'est de taper le mosquito qui est avec toi. Oui, fais juste passer sur la piste. Allez, accélère. Non. P63, c'est... Ok, attends. Il monte. Il est seul, le speed, là? Il deux montent. Ouais, il est P63. Il est seul. Ouais. Je vais essayer de lui faire une passe sale. Je te disais de faire un belly landing, mais à ta vitesse, non. Non, je vais attendre qu'il se barre, on va voir après. Oula. Ok, on va attaquer un split là. Oh, le Heinkel 219, il est chaud. Ok, il bascule directement. Ah putain, mais... Tourne! Oh là là, j'étais en mode vision, le con. Allez. Voilà. Un P61 encore, mais c'est pas vrai, ils sont partout. Et le mosquito qui s'est craché comme un gros caca. Alors mon gars, toi, tu m'as pas vu. Ah non, franchement, il me revient dessus. Bien joué, il l'a eu. Hop là, il est mort. Je l'ai eu. Oh, j'ai eu. Oh putain, il y a un Heracobra qui arrive à grande vitesse. Putain, heureusement que je l'ai vu arriver celui-là parce que. Il m'arrive de face. Putain, il y a un Spitfire qui arrive juste derrière, ok, d'accord. Allez, tu peux le faire en avion. Hop. Ok, je replonge, je dégage. Ils vont sûrement me tomber dessus, ces singes. 300 km/h. Et je suis seul comme un gros caca. 1,5 km, oh là là, ça va être chaud, super puissant si on y va, il
il faut que j'arrive à les décrocher. Désolé mon gars, mais le Heinkel 219, je te laisse crever. Désolé, à plus, hein, on n'est pas dans la même escadrille, hein, moi les Narjag et Schwader, je traîne pas avec, hein, c'est tous les bimoteurs, hein, tu me comprends. Hein. Les F-110 et tout, vieux souvenir. Oula. Ouais, c'est bon, il s'est fait manger. Oh mon dieu, j'ai honte. J'aurais dû aller l'aider. Je suis un lâche. Allez, spit, allez, spit. Ah ça passe. Ça passe pas. Ah, bah quoi, t'as juste tes ailes. Non, là, c'est bon. Ah, bah là, non, c'est mort. Attends, peut-être réparer encore. Non, c'est mort. Et toi, Gina, t'es mort ou. Ah, putain. Ah, il est encore en vol, le H-Mark 9 qui m'a buté. L'enfoiré. Kina, t'es où? Kina, t'es où? Je suis là. Mais je suis mort. Ah, t'es mort? Putain, bon, attends, je vais retourner alors à la bataille. J'ai rien dans tes pensées. On va essayer d'aller finir ça vite. Si j'arrive à... Hop là. Attends, il n'y en a plus que deux en face. Il n'y en a plus que deux, bah d'accord, bah je sais lesquels c'est eux qui ont un Spit et un Heracobra. Ouais, bah tiens, le Spit est là. Allez, je tente ma chance. Normalement, les Heracobra doivent pas être loin, mais on va essayer de. Ah putain, j'aime pas en faux couf quand t'arrives par le bas, c'est jamais bon signe. Non. Le Spit, tout ce qu'il va faire, il va grimper. Ah, il va te retomber dessus. Ouais, je vais essayer de le ramener sur les autres. J'ai un. Putain, non, mais y'a plus. Non, c'est tout. Y'a plus personne. Y'a plus personne. Ah non. Putain. Non, t'en sens, on a fait trop bande. Ouais. Tourne. Break. Break. C'est un Mark 9 en plus. Oh, il m'a mangé en une passe. D'accord. Même pas la peine. Mark 9. Ah, il va bien, Mark 9. Aucune chance. J'étais dessous lui. Paf. J'en ai reçu un butin de ses fils de pute. On va retourner au hangar. Bon, je vais retourner en Junker 88 pour que le pauvre Darkfish arrive à faire quelque chose pendant ce game. Moi, je voulais jouer avec le Marconi CR42. 2-7. Oup, bah tiens, il est sorti. Ouais, je vais jouer un avion italien, tiens. Alors, le Junker 88. Sinon, ouais, mon C6 est en 2.7. Hein. 2.7. Ouais. 2.7, donc je peux passer en 7.0. Non, Kina. Je veux pas de sabre et compagnie. Tu vois. Mais pourquoi? Non. Sabre, il est un peu plus que 7.0 quand même. En tant que fidèle pilote de 109, je vais 109. Et je prends le E7. Le sabre, il est en putain le sabre Mark 5, il est en 9, hein. 9, hein, le sabre. Hein. Ouais, c'est le 84 qui est en 7.0. En 7, c'est le Gotha 229 et le 262. Okay, c'est 80, c'est ça, 84. Les premières versions du 262 elles font pas les sabres, mais je pense qu'à partir du Darkfish, c'est les toits en pré. Ouais, bah je vais tenter le Folgore. Ah bah la même. Ah bah Folgore, il va bien. Ah oui. Un peu plus de munitions. Oh merde! Un avion. Merde! Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas grave. Vous allez rire. Vous allez rire, je pense. Oh, il va arriver en Heinkel 51, ce singe. Version italien. Oui. Bah voilà une bonne carte. Ça, je l'aime celle-là. Bah voilà un bon avion. Marvi. Oh mon dieu, Marvi. C'était le nom d'un affreux sergent-chef dans mon ancien régiment. Un gros bâtard. Ah, c'est à côté de Bastogne, ce bled de merde. Ah ben voilà. Pas si bel avion que j'ai. Darfish. Oh là là. CR-42, oh mon dieu. Bonne chance, hein. Bonne chance, Darfish, hein. Si tu meurs, si tu te fais un kill... GG, bravo. Hein. Même une assise, Darfish, hein. GG, hein. Tu vas réussir à décoller, Darfish, c'est bon, ou t'as besoin d'un combat Parce que tu sais, avec mon Junker 88, on peut faire une version Mistel avec ton CR-42. Tu sais, on met le CR-42 dessus le Junker et puis on essaie de faire un truc propre, tu vois, comme ça je t'amène rapidement. J'essaie de faire la vidéo parasite. Ok, il y a eu deux crashs, deux Spitfire en face. Ça devrait nous faciliter la tâche. Attends,
Spit, reviens, je prends l'aspiration. Vas-y, je suis relevé. On se croirait en Formule 1, tu sais. Non, ne va pas trop vite. Il faut que je tourne au virage. Par contre, je tombe, moi, c'est du 16. Ah, et voilà une bonne carte. Putain, ah, mais je te rattrape en plus, c'est que tu ralentis, là. Ah oui, j'ai ralenti. Garde, déplacement par la droite. Ah, mais c'est quoi ce camouflage allemand? C'est le... Je l'ai débloqué. C'est le camouflage Sulfron de l'Est. Ouais. C'est beau. J'essaie de te rejoindre. C'est tellement près, c'est magnifique. Impossible, je suis déjà à 5000 mètres. Ah bah j'approche des 2000. Ce qui est bien, c'est que je vais être tellement lent pour rejoindre le Ok, on a Enden qui arrive en face. Ouais, ok, ça c'est du facile. Je vais aller le renifler, le Enden. Alors, malgré les taches de foutre sur mon écran, je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a en face. Ah, tu sais, la merde d'Arfi, je m'envoie des vidéos un peu chaudes. On a un F2A en face aussi. Ah, attends, le Buffalo, par contre, ça peut piquer. Le Emden, je vais essayer d'aller lui mettre. Je vais essayer d'aller taquer le Emden. Hein. Le P400 aussi pourrait piquer. Ouais, il veut taper la base. Attends, mon gars, la morte guette. Gacho. Doucement. Il y a le Catalina aussi, c'est une cible pour toi, ça, PP. Absolument. Mais je veux d'abord. Il m'a vu le Emden. Il change de direction, ouais, il a été malin. Sauf que mon gars, je suis assez manœuvrable en junker. Et je suis très patient. Ah, touché. Ah, tu le rates. Allez, vas-y, vas-y, pépé. Touché. Non. Je vois des munitions qui partent partout ce soir. Ouais, c'est ça. Et il m'a touché comme une merde, et moi, je lui ai mis un seul coup au but, quoi. C'est tout moi, ça. Ils sont vraiment surpris. Il y a un buffalo en face, ça va, je suis pas si... Ouais, mais le buffalo te mange normalement. Avec un P400. Suis-moi le MDM. Je suis beaucoup plus maniable, alors il y a mon petit moyen. Le buffalo va foncer sur qui? Le 109 qui est en bas, je crois. Ouais. Ah, attends, il y a un mec en 2-17, ça va. Hein. Motivé, hein, le crayon volant. 2-17-Z. Ok, il va se prendre 200 coups de canon. Je vais aller vers toi, Pépé, je pense que t'as le split qui fonce vers toi. Oh putain, en effet. Je vais reprendre de l'altitude, moi. Je vais pas suivre le Emden trop bas, je vais aller attaquer le premier Y. Ok, le split, je le rattrape aisément, c'est bon. Tant pis pour le Emden. Il rentre en fumant, le Emden. Si quelqu'un peut lui mettre un coup, je lui ai sûrement... Je crois que je vais percer sa vapeur, au Emden. Ouais, je risque de le rattraper, moi. Vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein, ça arrive. Gros caca d'Arfiche! Tranquille. Attends. Non, mais je suis à 300 km/h, hein, je suis plus rapide qu'un Fogouf 200. Je vais essayer de mettre une passe sur le PBY. Une passe bien dégueulasse. Et voilà. Bon, bah après ce face à face, je retourne à la base. Putain, mais je suis enrayé! J'arrive plus à tirer! Putain! Gunjan, va te faire foutre! Va te faire foutre! Fais un sommet de chandelle là. Allez, ok, bon, bah, je tombe. On retourne à la base. Pareil. Putain, fils de puterie, quoi. Tu veux exploser le speed? Oh, allez, vas-y, mets une brûle. Merci. Hop là. Ah, la base. Où est ma... La plus proche, c'est la... Oh, bah, c'est... il y en a juste une. Il y en a qu'une seule, hein. Astinque. Ouais. C'est bon. Hop, là-bas. Ok, on fonce. Et bim! J'ai fait un kill. Oh, GG! Ah, il est en feu, il va bientôt mourir. Oh, GG, le speed, Kina. Un hurricane. Alors, la base, M1. Un peu à droite, non, on doit être là-bas. Allez, bim! C'est qui disait que je ferais jamais un kill? Oh, j'ai le jeu, Darfish, un hurricane en plus, mon salaud! Darfish Master Race? Si t'as monté aussi bon à Stellaris, ce serait beau. Tout de suite. Ok, c'est toi qui t'es à côté, parfait. Oui, c'est moi qui rentre avec mes canons enrayés. Bon, mon avion est entièrement orange, hein, donc forcément. Moi, pour changer d'habitude, c'est mon moteur qui est touché. Casse-toi, c'est ma cible, celui-là. Bim, 2 kills. Putain, mais Darfish. Darfish, mais attends, on va te faire voler en tier 4 ou 5 avec The Biplan, mec. Je t'ai jamais vu aussi bon.
Mais j'adore cet avion, le CR-42, c'est un de mes avions préférés. Ok. La piste est en dessous, on va commencer l'approche proprement. Oh ok, elle est là. Je la cherchais, en fait on était super haut, c'est pour ça que... Je suis comme ça, mais attends, mais elle est devant, mais en fait non, tu vois. Ça va, je suis deuxième de la game avec mon bah, tu m'étonnes, GG quoi. Moi j'ai réussi à faire un hit sur le M-Dun alors que je l'ai mitraillé comme une merde et que j'ai pas réussi à lui foutre des coups au but. Un gros caca du PP quoi. Ah non, Junkers, je vais me poser avant. Oh, fuck off. C'est osé là, Kina, t'es un peu haut non? Non, 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 ça, moi ça va. Non, les anti-aériens. Ok, moi je suis en train de revenir là, hop. Ouais, on va. Je vais manger ma vitesse maintenant, voilà. Hop. Voilà. Un P36 et P42. Ouais, il y a du monde en l'air, je vois deux P40 à altitude et un P36 plus bas. On sort. Et on est en retard, d'accord, on a deux bombardiers qui bossent, hein, parce que. Putain, c'est. Pas... C'est quel ingénieur qui a pensé à foutre un aérodrome devant une butte? Ah! Ok, c'est bon. Ça me semble être une bonne idée, non? Je vois pas où est le problème. Ouais, Darfish, tu vois pas où c'est le problème. C'est ça le problème. Bon, en même temps, je veux rien dire, t'as quand même eu deux victoires aériennes, Darfish. Par contre, regarde, t'as un P40, Darfish. T'as un P40 qui tombe dessus, Darfish. Je sais, je le vois, je fais une manœuvre. Et okay, hop, je suis dans son cul. On va sortir les flaps et on va se poser comme une fleur, comme une mouche sur de la merde. Voilà, tranquillement. Hop, vas-y, là. Fais une chandelle toi, vas-y, vas-y. Ça c'est du poser de professionnel. Tranquille, hop. Ça change de Kina que je vois vautrer comme un caca sur le côté là-bas. Aurais-tu pété ton... Ah non, 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 non. Regarde Kina, moi au moins tu vois j'arrive, oh, la piste. Le mec, je lui ai mis un hit à 800 mètres. Oh putain! Bah, le Junker, qu'est-ce qu'il fait, le Junker? Bah, allez, je retourne me poser parce que j'ai quand même pris quelques coups. Tu redéco. Putain, le Heinkel 100 qui m'arrive pleine tronche. Hop là. Ok. Tu redécolles dans combien de temps, Kina? Maintenant. Parfait. Je te suivrai à 25 secondes. Parfait. Ça va, hein, j'ai un BR de 1,3 derrière. Oh oui, qui est là, qui dit Darfish, va dodo, c'est ta maman qui te parle. Et c'est toi, qui là, dit ça? Oh Wind. Oh Wind, il est sur le. Oui. le... Il a le droit d'être levé, tu sais. Voilà, je suis surpris, c'est normalement. Je croyais que c'était 9h au lit, Oh Wind, tu vois. Ouais, non, bon, Oh Wind. Voilà, c'est vrai. Bah, je sais pas, moi, quand j'avais son âge. Moi aussi, j'étais sérieux. Disait, je pensais qu'il était en train de préparer une reconstitution demain de Napoléon et qu'il briquait son uniforme ou il briquait les godasses de tout son régiment, tu vois. Espèce, tu te débrouilles avec la P36? Non, pas trop. Ok. Ouais. Il essaie de foncer vers moi, parce qu'il y a un P40 qui se met de la partie aussi, je pense. Que je fais. Non, PP, on va se croiser. Je suis derrière. Est-ce que je t'abats, Darfish? Non, c'est pas sympa. Mais ça serait drôle. Non. Je ne touche pas aux alliés. Ou alors seulement quand ils sont devant moi et qu'ils me volent mon kill, mais ça. Ah oui d'accord, c'est une team, P40, P36 les deux là. Mais pourquoi je vois... Ok. Tu t'es fait avoir Spitfire Non non, je suis là, enfin. Bah merde, je te vois pas. Je vais devoir piquer sur lui, par contre. Je le vois pas dans le... Ok. Pourquoi est-ce que je te... Ah si, bon, je te vois, lui, d'accord. Je te vois le point vert, t'es d'accord, t'es t'as deux P40 et t'as toute la team sur toi, hein. Deux P40 et P36. C'est bon, il décroche. 4 km, j'arrive derrière pour essayer de couper le... Pour un portfolio aussi. Par contre, faites gaffe les gars, vous avez deux P40 en altitude. Ah, bien joué. T'inquiète, d'accord, Kina il arrive, tu sais, je te mange, hein, sodomite, hein, parce que tu sers à rien, quoi. Ouais, j'ai envie de tailler. Aucun respect ici. Ah, ok, le P40, oh bah ça va. Le Hemden, P40. Ah, le Hemden est de retour, hein, mon copain, qui a dû, comme moi, aller se réparer. Par contre, Kina, ça va toi, t'es bien? Parce que normalement, on a un Ankle 100 qui est dans le coin, il est où cet enculé? Oh oui, pour l'instant, à part les deux P40, ils sont à 4 km, un peu. Ils sont
Les deux sur le 109. J'essaie d'aller l'aider. Je vais aller taquiner le Hemden, moi. Ah, il fait le boulot, le... Attends, il fume le Hemden ou... Non, il fume pas. Non, c'est bon, je le vois arriver. Hop. Non, je te vois tourner, mon gars. Attends, je vais essayer une passe sur lui, ça va être court. Hop. Putain, jusqu'en j'allais. On a gagné. Putain, jusqu'en j'arrive dessus. Mais genre, je t'ai bien aligné, quoi. Deuxième c'est qu'un CR 42, les mecs. GG, hein. GG Darfish. Maître de guerre, là, j'avoue. Et tu sais quoi, je vais le reprendre. Darfish, il en veut encore. 22 000. Non, mais en fait, t'es tellement maniable à côté des monoplans, c'est tellement bien quand on mêlée. Hein. Ah bah quand même, hein, le bombardier a quand même bien joué. Ah non, notre bombardier, il a tout mangé. Hein. Moi, je suis prêt, hein, je reste en... Bon, Darfish, tu restes en CR-42, là, après ton... Ouais, CR-42. ton coup d'éclat. Mais les biplans sont tellement manœuvrables, tu peux aussi faire des choses sympas avec un... Bah oui, c'est pour ça que tu fais du kill. Genre, c'est un CR-42 qui mange un Hurricane en combat tournoyant, tu sais. Putain, qu'est-ce qui va pas sur cette terre? Ouais, j'ai mangé un Hurricane et un Buffalo. Hein. Putain, GG. Bravo, Darfish. Ah là, j'ai fait forte impression, je crois. On peut dire, ouais, putain, je suis fier de moi. Chacun fait son spectacle. Ouais, il faut ce qu'il faut, hein. Attends, ça pépé, je suis en P47, je me fais one shot. Là, je suis en CR42, je me suis pris une grosse rafale de P40. Ah non, mais moi, Kina, déjà, moi, réussir à faire des hits, rentrer à la base et redécoller, pour moi, c'est une réussite, hein. En junior 88C6, je suis pas trop ambitieux, hein. Bon, j'avoue que le Hemden, j'aurais dû mettre plus de coups au but. J'ai été trop. Je spray trop, j'ai du mal à faire du. À être. À faire des saves courtes, voilà. Moi, je suis un singe sur ça. Si on s'appuie, de toute façon, tout ce que t'arrives à faire, c'est faire engrayer les canons. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Encore là, ça va, t'es les canons allemands, mais les canons japonais, c'est une horreur. Ah, quand même, Stuka au sol, pourquoi? Bah, il a choisi le spawn. Je pourrais tellement te descendre là. Hey. c'est mon élévateur. C'est mon élévateur. Darfish joue avec l'élévateur de Kina. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète de ce qui se passe sur l'aéroport? Non, mais vérifie. Hey, mes fumigènes. Oh, c'est beau. Oui, je les mange, les fumigènes. Bon, attends, je rajoute les miens derrière. On va monter à 5000 mètres en vitesse. Mais il me trace tellement avec son B109. Et Darfish en CR42 et un BF109. Ça fait très guerre d'Espagne tout ça, les gars. Bah, BF109, guerre d'Espagne. Les premiers E arrivent juste après, hein, donc en 39. Hein, donc techniquement, la fin de la guerre d'Espagne, ils sont en BF109. Avec les nouvelles hélices tripales en métal, alors qu'avant ils sont en hélices en bois bipales sur les ABC. Des... Frère, tu sais quand t'as besoin de faire un feu. C'est le... Ah merde, j'ai oublié son nom. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'avions. NKL là, avec les deux canons, la H-72. Ah oui, mais celui-là a jamais été vraiment utilisé opérationnellement. On va dire que c'est super bien avant, mais ils ont augmenté son beurre, du coup maintenant c'est de la merde. On va dire que c'est les concurrents malheureux du BF-109, comme le Heinkel 100, hein, qui aurait été un excellent avion aussi. Allez, 4600. Moi, je suis à 1000 mètres, je suis content. Hein. T'imagines, je suis 5 fois plus haut que toi, Darfish. Je te vois comme une chure de mouche que tu es tout en bas. Ouais, mais je te rappelle que moi, j'ai même pas de côte fermée. Hein. C'est vrai. c'est vrai, c'est sale. Eh, Darfish, à ce qu'on a, t'aurais mieux compte de prendre un Sowit Camel ou un Fokker DR1 de la Première Guerre mondiale. Tu fais des miracles en biplan, bah assume quoi. Vas-y complètement. Biplan carrément, tu sais. Le Baron Rouge, Darkfish, tu sais, le mec qui sera craint. Tu sais que j'ai mes I-15 russes, ils sont tous en rouge comme le Baron Rouge. Hein. Putain. Et avec dessus, j'ai 2000 kills. Mon dieu, en arcade, ça fait beau, quoi. Hein. Ok les gars, j'ai un TBF qui est sûrement à 3000 mètres. Ils ont un P34 aussi. Je sais pas, vous avez des cibles pour moi, je veux des chasseurs. Ah, Wellington, celui-là il est pour moi.
Le TBF, je m'en fiche. Il est un peu trop bas pour moi. Par contre, le Wellington est une... est une très bonne cible. Ah, j'arrive sur les 2000 mètres, les mecs. Je suis à 5000 avec le Wellington. Oh, il y a un P39. Je me mets AFK, 2 minutes, je reviens. D'accord. Putain, il y a les mêmes mecs que tout à l'heure, Darfish. Les mecs qui t'ont flingué sur Norvège, ils sont là. Demi-tour. Je rentre à la base. J'ai un problème moteur, là. Je vais devoir rentrer. Ok, j'ai fait un hit. Il fait un bruit bizarre. Il est très endommagé. Je lui ai fait fumer deux moteurs. Ouais, allez, j'y retourne. Et on va essayer de le finir sur cette deuxième passe. Hop là, proprement. On arrive de biais. Hop là. Non, 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 voilà, je suis encore en panique. Touché. Allez, mange-le. Je l'ai eu. Mais c'est vraiment une bataille de bombardiers là, t'as vu le nombre de bombardiers qu'on a? Par contre, je suis dans un sale état et je fume. Je vais essayer de rentrer à la base. Ah, fumer c'est mauvais pour la santé. Surtout pour un avion. Ouais. Bon, est-ce que je serais capable de descendre un P-38 avec mon CR-42? Ça va être un peu chaud quand même. J'y crois moyen quand même. Hein. Ouais. T'as été un peu chaud. Donc là, on est en tir plus haut que tout à l'heure. Alors voilà. Oh, du P-38. Pépé a eu une victoire. J'ai mangé un Wellington en deux passes. Oh, puis j'ai manqué ça. Ouais. Bon, par contre, je rentre dans un sale état. Il m'a... Son mitrailleur arrière sur la deuxième passe m'a mis d'habit, on va dire. Je vais commencer à tomber tranquillement. Et aller me poser. Quoique, attends, le TBF fait un peu l'insolent. Je vais essayer d'aller le choper. Est-ce que Kinat est là? Oui, il est là. Il vient de revenir. Il vient de m'aider contre le speed. Kina en face, il y a les. Eh, mais c'est les mecs qui l'ont mangé sur Norvège. Et ils... Mais attends, oui, c'est Darfish. Il revient en CR42. Il a pas compris. Ouais, parce que je trouve que c'est un peu trop OP le P40. Je vais essayer, je te promets rien. Le TBF, il est où le TBF? Oh mon bon. Dieu. J'en ai oh, bah je suis mort. Allez, salut. Ouais, t'as mangé, attends, mais t'es un fou Darfish en CR42, qu'est-ce que tu branles quoi? Faut pas être con non plus. C'est, non, là, mais c'est genre la sodomie, vas-y, fixe-moi avec les graviers. C'est un speed Mark 2B, c'est 3.7, merde. Ouais, bah oui, mais on est 2.7. Putain. T'arrives en CR42, bah ouais, t'as... Dans la fourchette. Ouais, je suis 1.3, moi. Non, mais Darfish, oh, mais c'est toi qui te... Darfish, tu cherches la sodomie, avoue. Là, quand t'arrives en CR42, voilà, que t'as... Ok, P39, par contre... Je pense que le CR42 ça marche très bien contre les 2.7. Hein. Putain, en face on se fait. Ils font bobo. Hein. Attends, deux Inkelson. Mais ouais, mais attends, mais il y a masse chasseur là chez eux. Hein. T'as un split, t'as un split qui fend sur toi. Alors, je vais faire. J'en profite que je suis de retour sur le chat du live. Oui. Parce qu'il y a une petite pépite là. Un mec qui dit Owen polie plutôt toutes les baïonnettes de son régiment avant les hostilités en mode il fait tomber le savon. Ah bah Owen il fait la grande gueule mais dès que tu lui mets une bite dans la bouche il a plus le choix. Hein. Il l'avale goulûment et tout ce qu'il en sort aussi. Hein. Le mec il tire dans les angles. Ok. Ah, te moque pas de moi Spitfire, je fais ce que je peux. Antiochos, ils ont annoncé les armes italiens et français. Ouais, alors, il serait temps. Hein. Et il y a déjà deux avions français dans le jeu. Y a pas encore l'IAR-80 roumain qui est là. Je fouette coucou. Ah, j'ai plus de moteur. Moi, je suis tranquille. Pour l'instant, il y a trois avions français. Il y a le D520, le D521 et le DB20. DB7. Ah, le DB7 est dedans. Mm-hmm. En premium. Ah, sympa. Ouais, bah les trois avions français. Mais à la base, le 521, c'est juste une version upgradée au moteur du 521. Ouais, c'est le Rolls-Royce. Les souvenirs sont bons. Hein. C'est le même que le 520. C'est... Voilà. Ils ont juste pris le même avion, exactement le même avion. Et... Avec un peu plus de place. Voilà. Stat, mais c'est tout, c'est le même. Oh, GG, le Kina. Oh, joli. Oh, il y en a un autre. C'est un P39, ça. Ah ouf. Pourquoi moi? Et ouais, le CR-42, c'est bien le meilleur biplan de tous les temps. Là, il y a le week-end. Ah, le I-15, il est pas mauvais non plus. Hein. Ah, mais le CR-42 quand même.
ça y est, je rien qu'au niveau de l'armement, CR42 est largement supérieur. Il y a le plus important de leur fiche, c'est le pilote. Tout à fait. Ou entre un russe bourré à la vodka et un italien qui fuit le combat. t'as une sacrée équipe là. Ça pue la win, hein. Oh, le P39. Ok, je me pose comme une fleur, j'ai remis les gaz au dernier moment. Allez, hop, vas-y, Pépé, pose-toi tranquillement, voilà. Enfin, tranquillement, Pépé. Ne pète pas ton train. Et voilà, j'ai pété une hélice, quel gros singe. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, craché, d'accord. Ok. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais c'est bon. Hop là. Bon bah du coup j'allais réarmer aussi. Putain, pour le PSH, PP, bon bah il reste juste nous deux, hein, PP. Ah bon? Quoi? Il reste juste nous deux. Oh mais la mort nous guette. Bon bah je vais tourner autour de l'aéroport et puis je vais monter pendant le temps que tu ravitailles, hein, d'accord? Parce que... J'ai réarmé. C'est une catastrophe. T'as vu tout ce qu'ils sont en face? Manger. Ils sont 5. On va tellement se faire manger. Le CR42 facho. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais peut-être aller me coucher. Ça marche. Je peux faire une petite bataille en char en mode random. Ah non, j'ai débloqué aucun char. J'ai fini en Panzer 1 et en... Oui, en Panzer 2, bah, c'est marrant. Ouais, non, merci. Allez, bonne soirée. A plus, bonne soirée. Bye bye. A plus. On se fait une petite escouade de Panzer 2 et un... Non, troll, quoi. Je reste en avion, Darfish, tu m'en voudras pas. Ok, mais en biplan. Ouais, au pire, après, on peut faire le tir le plus bas. 1.3, on sort tous les... J'ai un Heinkel 112 de près, amélioré à fond. Mais le Heinkel 112, c'est pas un bâtière, hein, c'est de 2.3. Ah, mais merde, alors, bah, je vais sortir le... Ah, ça dépend lequel, après, ça dépend lequel. Le tout premier, pas celui... Le vraiment... A? Ouais, le A, ouais, le tout premier. Ouais, il est mauvais celui-là, mais ouais. Bah, moi, j'aime bien, moi. Ah, il manque d'armement, et puis il est vachement moins maniable que bon, ce... Bon, Kina, je tourne autour du... Attends, la 36 s'est crashée, Kina. Ouais, il y a encore un Hurricane qui rôde pas loin. Je vais tourner autour de l'aéroport, peut-être que je vais réussir à le bait. Ah, autant pour moi, c'est le V, le premier. Ouais, c'est le V que j'ai... Ah, tu dois avoir les deux, je pense. J'ai le V. C'est celui avec lequel je jouais contre des biplans et genre... En arcade, qu'est-ce que j'en ai bouffé des mecs avec celui-là. Ouais, le A, c'est celui qui a un canon. Ouais, moi, ouais, j'ai pas de canon. J'avais 4 deux mitrailleuses ou 3, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est mon préféré, c'était le B avant, il était tellement pété. Mais ils ont augmenté son BR. Mais là, je crois qu'ils ont redescendu, il est 2.0 seulement. D'ailleurs, c'est un peu ridicule que le A et le B ont le même BR alors que le B est 100 fois meilleur. Ok, 18 secondes. Je suis retourné comme un vilain moustique sur un morceau de sucre humide. Viens me piquer. Ne me tente pas de te straffer avant que je... Kina, mon internet est en train de planter. Oups. J'ai les mains moites, ça a glissé sur la manche. Oups. Promis, je voulais me poser. C'est bon, je décolle. Parfait. Je suis à 1000 mètres et je suis en train de grimper. 3, 4, 5, 6. Bon, bah c'est du 2 contre 6. Putain, 2 contre 6, mais c'est même pas la peine. On va se faire. Ouais, enfin, 1,5. Hein. Ouais, c'est ça, 1,5. Hein, parce que moi en junker, si j'ai pas mon altitude, ça devient difficile. Hein. Non, je disais juste que t'étais mauvais en fait, PP. Ouais, c'est vrai, donc imagine que j'ai mon altitude et en plus je suis mauvais. Ah, j'ai quand même aussi avoir une belle victoire là, Darfish, ne me vole pas mon plaisir. Ah, mais je ne vis que pour ça, pour trouver ton plaisir. Bon, on n'a aucune vision, génial. J'ai jamais encore utilisé le HS-123, ça n'a que l'occasion. Mais c'est pas un dive bomber ça? Si. Pourquoi pas? Je le mets à la place de mon HS-51 version hydravion. Je vois du tir. Ouais, la DCA tire sur quelque chose. Ah d'accord. Notre DCA. Ok.
Je suis à... J'arrive à 2000 mètres là. Ah oui, en effet, je vois, ouais. Attends, on va essayer de voir la vision. Je le vois pas. Il doit être où? On va aller enquêter. Ah, il est à 36, ça va être à 36. Ouais, je te vois. Je te suis. Je suis à 2000 mètres. B34 aussi. Ah non, le B34, c'est mon chat noir, ce machin. Il devrait pas être en BR comme ça. C'est du poison, cet avion. Il est invincible, le truc. Quel BR, le B34? 2.7. Ouais, justement, il devrait être un petit peu plus haut parce que c'est un monstre, le machin. Est-ce qu'il y a du calibre 50 sur le B34? Oui. En arme, la, il a l'armement, en armement dans le nez, il a 2 de calibre 50 et 2 mitrailleuses de 7. Et il en tourelle, il a 2x12. Ok. Et 2x7 aussi. Ok, fait que ça pique. Ah ouais, il est bien armé. Hein. Oh, il y a un chasseur. Oh, un T-38, oh, putain. Je vais essayer de le prendre de face. Sur un malentendu, ça peut marcher. Je vais grimper de côté. Il m'arrive à grande vitesse. Oh non, je pense qu'il va, il va me prioriser, moi. Ouais, mais il a... Ouais, ouais, je vais réussir à l'intercepter sur la route. Je suis à 260 km/h, ouais, c'est bon. Oh, Kina, il va réussir à se mettre entre toi et moi, en fait. T'es allé trop rapide. Ah oui, il va se mettre entre toi et moi. Bascule. Ah, le problème, c'est que là, je peux pas descendre maintenant. Ouais. Oh mon dieu. Wouhou. Ok, je vais tenter de me... Est-ce qu'il y a du niveau... Ça m'énerve, les P38, ils font n'importe quoi, tu sais, genre, ils arrivent... Fais gaffe, t'as la 36 qui est dessous aussi. La 36, je vais essayer de le manger. C'est une... Oh putain, il y a le B34 qui est là aussi, ils sont tous là. Le P38, il veut pas grimper, je vais garder mon altitude. Allez, je monte, il faut que je sois à 600 km/h. Et quelle est l'arme secrète du J, Pépé? 600, non, 600 km/h, Pépé. Tu sais que c'est la classe. On a 50% de la team qui est en bas. Ouais, ouais. Ok, 600. Le P38, il tourne vers toi, je crois. Attends, le P38 s'est craché. Allez, attends, le P38, allez, touché. Hop. Je dégage. Attention au P38, dans T6. Je monte. Je suis à 600. Waouh! The Hurricane! Oh, il me tire dessus! Ah, il m'a touché le moteur droit! L'aileron! Allez! Il me mange! Je l'ai touché! Il me fait sauter mes ailerons, ok, j'arrive plus à manœuvrer. Mon avion est cuit. Oh, quoi, je l'ai manqué! Mon avion, je pars au tapis là. Il y a un speed, fais gaffe, qui arrive, hein. Oh, il y a un speed en plus? Ouais. À 3 km, je vais essayer de m'éjecter avant de tomber. Ok, t'es mort toi. Ouais. Craché. Il m'a bien mangé, malheureusement là. Ouais, mais ce P38, il est machin. Oh, le P38 a un moteur en feu, hein. Il se crache. Hein. Ouais, je l'ai abattu. GG. Normalement. Bon, il reste quoi? Il reste le reste. J'ai mis un vilain coup de but sur la 36, mais je l'ai pas. Pas un dommage critique, malheureusement. Oh. Ok. On va essayer d'y aller avec la diplomatie. La diplomatie. T'as de l'espoir, toi. Qu'est-ce qu'il a sorti? Alors... Nous pouvons négocier. We can negotiate. Let me leave, motherfuckers. Or I will take you one by one. Allez, Kina, une paire de couilles, tu vas là! Il y a des mecs qui acceptent de faire des duels. Ouais, par contre, là, j'ai plus de canon. Ouais. Et le Spitfire, t'es. Le Spitfire, je pourrais l'avoir par contre. Carrément, hein! Il y a la DCA qui l'avoine en plus là. Ok. Je serais gagné un peu de vitesse et je vais retomber sur lui après. Ah, mais. Ça m'énerve. Il est juste dessous toi, hein. Il est. Je passe c'est où mon goût. Allez, on s'essaye. Oh là là, Kina. Ah là, il va me tourner ça comme. Il va te. Oh putain. Ouf.
monte. Où est-ce qu'il est ? Il a fait la manœuvre inverse, il plonge, et maintenant tu es au-dessus de lui. Il essaie de te croquer en... Oh, tu vas voir. Mais lâchez mon moteur. Oh, éteins le moteur en... Même manœuvre, troisième fois. Je crois que là... Non, je pense qu'il a manqué d'énergie, là. Non, quoi, il quoi, va te manger. Il perd mon énergie. Il t'a mis des coups au but, là. Ah ouais, putain, je vois ton aile droite qui est trouée comme une passoire. Ça recommence, Kina. Tu fumes, t'as ton moteur en carafe. Ah, tu voulais faire un V1. Bah, tu l'as, hein. Ah oui. Ah, il est en position de tir. Suis... Là, il va te manger. Ouf, ok, c'est bon. J'essaie de regagner plus. Oh, mon Dieu, par mon contre, ton aile gauche a aussi pris la bite, là. On va y aller. À haute vitesse. Oh, il est derrière toi, à tes 6 heures. Et... Il s'est manœuvré, le singe, hein. Oh non, oublie ça. Je serais pas capable de faire une chandelle avec ça. Ouf. Ah, une moteur. Mon moteur est mort. Ouais. Il est devant toi, il va tomber devant toi. Non, ouais, ouais. Il était de c'est ouais, quoi ton agion qui se bat là un marque 2A. C'est un marque 2 ouais, ou un marque 1 marque 2. Il est à tes 6 heures. Il essaie de, ouais, il essaie de manœuvrer. Il essaie de te poser. Oh, oh putain. Quelque chose est parti. Ouais, y a ton flap droit, ton flap droit. Non, c'est un arbre, c'est un arbre. Ok, il a foutu le camp. Non, il est juste à tes dessus toi en fait. Il est en train d'essayer de guetter. Leave me alone. Oh non, les arbres qui n'a le basket. Il est derrière, il est à tes 6 heures, il en veut encore. C'est fini. Oh, il se crache. Ah, il s'est crashé en même temps que toi. Les deux avions sont côte à côte. Putain, les deux avions sont côte à côte, impact. C'est magnifique. Les deux avions sont côte à côte, sans déconner. Là, vous pouvez le sortir avec vos Luger et puis commencer le nouveau duel. Lol. Ah, j'avoue, GG, hein. Imagine bien le pilote de Spit en Luger. Bon, on va en faire une dernière, en biplan. On va sortir ouais, le... Mon instant de gloire. Tu veux, pas, tu veux passer en arcade, Darfish? Si tu veux, bah ouais, parce que je pense en réaliste, ce BR-là, il n'y a pas grand monde. Ah, j'ai débloqué des trucs. J'sais pas nous avons souffert une défaite. Oh, j'ai réussi à faire 5400, je suis content. 1.3. Bah, alors, attends, déjà, Kina, tu peux nous passer en arcade. Puis on va prendre... Attends, mais attends, il faut que j'engage des pilotes, alors, juste pour ça. Bon, d'arcade. T'as combien de pilotes? Bah, j'ai... Ouh. J'en ai pas beaucoup. 3, ça suffit. Donc, on se fout en quoi, là, en arcade? Bah, en arcade, on va se mettre en... Putain, ouais, mais le problème, c'est que les BR... 1.3, comme ça, on a les Falco, HE-112, donc, HS-123... Il faut qu'on change tous nos véhicules, quoi, c'est ça. Bah, t'as qu'à utiliser des presets, hein. Bah, j'ai pas ça, moi. Parce que t'es mauvais. Je dois changer 8 véhicules. Ouais, non, bah, pas la peine. Mets-nous en battle normal, là, quand... En RB, là, comme on était, et puis on choisit un zinc de merde, quoi. J'ai pas changé tous mes véhicules. Ouais, on peut se mettre en RB, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde, hein. Oh. Ouais, on est en serveur US, pas européen. Change véhicule. Ah, il faut que je... Oh! Mon Heinkel 112 est en 1.3. Le V5. Donc 1.3, qu'est-ce que j'ai en 1.3? T'as les CR42, HS123, HE51 late, HE112 et le premier B109. Ouais, c'est vraiment les tout premiers coucou, hein. c'est pas glorieux. Hein. Oh, allez, je laisse ma loyauté au 109, le B1, oh mon dieu. Allez, 1.3 en Heinkel 112. Allez, Darfish! Moi, je reste sur ce Falco CR42. Allez, on y va. Bien évidemment. Donnez-moi hein. Juste un instant, juste voir pour mon 109. Mettre mon équipage au moins à expert. Et voilà, c'est fait. D'accord. Moi, mon équipage, ils sortent de l'école. Hein. C'est une bande de singes. Hein. Et voilà. Bon.
Parce que j'ai pas envie de me taper les G-Lock à profusion. Ça change la vie, ça. Bon, regarde, il y a du monde. Maintenant, il faut voir. Monsieur, on tuera un, regarde. Du Waiting for Battle, tout ce qu'il y a. Ah ouais, d'accord, si, ça vient de s'équilibrer. <D'accord. rire> Ok, ça, d'accord, c'est bon. Actuellement, il y a 745 batailles. Je suis en train de débloquer le BF-109, ok, d'accord. Il y a eu seulement 2013. Ah, je crois pas. L'IL-2, c'est un avion en premium. Oh, c'est abusé, hein. Non, mais il y a plein d'IL-2. Ah, ouais, pour les Russes, c'est au moins 4 IL-2, je pense. Avec le IL-10 aussi. Ah, ouais, d'accord. Oh, d'accord. Bah, tu vois, Darfish, il était 10 ans. On a été rapide à trouver une game. Bastogne. Excellent, en Angle 112. J'espère que le temps est pas trop dégueu. De toute façon, je vais pas grimper à 4000 mètres en Angle 112. Hein. Pourquoi pas? Ça se fait, hein. Ouais, mais non, je vais... On va voir ce qu'il y a en... Est-ce que je me mets en stealth? En furtive? Je suis en cible aérienne. Voilà. Ah, moi, j'en ai pas, c'est marien. C'est soit du universel ou... Non, mais non, je vais me mettre en traceur, plutôt. En traceur? Ouais. Ouais, c'est que des traceurs anti-blindage et incendiaires. Oh, Darfish en CR-42. C'est beau. Elle est géniale, cet avion. Attends, mais j'ai même pas de super puissance sur cette crotte, là. Comment je me fais larguer, quoi? Moi, j'ai même pas encore décollé, je suis déjà à 250 km/h. Putain. Oh, la Best Fatiska. Ouais, j'ai vu, c'est ouais, censuré. Genre, les mecs, ils ont aucun respect, quoi. Quand même, en même temps, les heures les plus glorieuses de l'Allemagne, faut arrêter, quoi. Bon, enfin, c'est pour le commerce, ça. Hein. Mais ouais, c'est pour le commerce, c'est bande de singes, j'y respecte plus rien, quoi. Parce que s'il se passe de tous les joueurs allemands, déjà. Là, niveau manœuvrabilité, cet avion. Oh mon dieu! Un P26 en face. Ça, c'est du lourd, hein. Tu te rappelles, Tina, quand on avait mangé le P26 à deux. Et que Lycos chouiné, vous avez pas honte! Et il nous a sorti la photo du P26, quoi, genre vous avez. Vous avez aucun respect, bah non. C'est du bully là, rendu là. Le machin il s'est présenté devant nous comme une... voilà quoi. Il attendait que ça le truc. Il s'est présenté. Et on l'a honoré. Tu vois, c'est et ça. Voilà. Putain, notre Junker 87 il se fait plaisir là. Oh, l'intérieur... T'as vu l'affiche, un bombardier, ce que ça fait? Ça détruit les cibles. Il a tapé des anti-aériens. Son but, c'est pas d'aller à la base et de rien toucher, de rentrer, tu vois. Bah, il me semble qu'en faux coupe de sang, t'avais réussi à manger un anti-aérien. Ouais, mais c'était en faux coupe de sang. En Junkers 88, je fais pareil. Hein. Je me mieux. Moi, je fais les bases. Les one-shot. Ah ouais, c'est mon Heinkel 100 qui améliore à fond, c'est pas le Heinkel 112, fuck. Il n'y a aucune marque d'identification, tu vois, genre c'est vraiment le proto qui sort de l'usine sans peinture, quoi, c'est dégueulasse. Attends, pourquoi est-ce que la Nicole 112 il fume là, ce singe? La H112, c'est pas celui avec les marquages de Franco? Non, mais en fait, moi j'ai le proto, le V5. J'ai pas le Nicole 112, l'autre après. Ah non, c'est le A qui a les marquages d'Espagne, ouais, c'est ça. Là, j'ai vraiment, moi, le truc dégueulasse qui sort d'usine, hein. Avec la peinture en métal, les couleurs de tôle différentes. Non, je vais faire un petit tour sur moi-même pour que tu me rattrapes. Que tu admires mon magnifique avion. Vas-y. Darfish, regarde. Honore-moi de tes acrobaties. Je te regarde. Et un crash. Oh, tu es beau, je te vois, tu es sublime, Darfish. Et t'allumes tes affreuses couleurs, je t'avais interdit pourtant. Pas grave. P26. Ah, ça y est, on a des contacts. Ah oui. Ouais, P26, 5 km. La DCA me tape fort dessus. Ah, bien sûr, je suis en première ligne. Ok. Ouais. Ah, non, je suis en première ligne. Arrache-toi. Il y a un H112 avec moi. Bon. Un H112 et double P26. Hein. Je vais essayer de prendre l'autre P26 de face, mais le problème, c'est que je n'ai pas envie de me faire ramer comme une merde.
pour la dernière game du stream. Regarde, mon premier vol, c'est mon nouveau BF-109. Le mec... Oh putain, il a repeat le P26 là. Il veut essayer de manger le... Ok, attends, toi mon gars. Méfie-toi, parce qu'il y a certains P26 qui ont du 50 millimètres. Du 50 calibre 50. 50 millimètres. Quoi? Oui, non, du calibre 50. Du calibre 50. Allez, on y va. C'est bon, c'est 3h30 du mat. Alors, ils sont à 3 dessus là. Putain, la AA qui m'attaque. Ouais, il y a un peu trop de monde, les risques de crash sont un peu trop élevés pour moi. Je vais aller taper l'autre qui arrive à 3 km. Ah, mais ils sont en bas en fait. Oh putain, y'a un PBY qui est là aussi, hein. Oh, c'est pas notre travail, ça. Non, j'y vais pas, moi, avec mes deux petites mitrailleuses, c'est pas la peine. Hein. Ah. Ok, il me voit arriver, je suis à 350 km/h. Et il y a vraiment que du P26. Ouais. Ah non, il y a du Swordfish aussi. Attends, il me voit pas. Attends, mais il fait quoi? Il me voit pas? Allez, vas-y, Pépé, il est tout pour toi. Je l'ai pas touché! J'ai vu le P26 touché, là. Touché, je l'ai eu! Oh oui! Bon, bah moi je descends en bas. Bah tu vas pas descendre. Je vais descendre en haut la prochaine fois. Et regarde, tu vas forcément. Oh, je l'ai même pas touché. C'est honte. Je vais attaquer l'autre P26 là, je suis juste. Darfish, j'arrive sur l'autre P26, hein, je pique dessus. Hein. Oh, mais y'a Kina aussi, moi je vous le laisse, bande de gouins. Oh non, bah regarde, moi je change, y'a deux P26 sur les bases. Je vais aller attaquer le B18 Bolo là, qui est en attitude. Darfish a l'air de bien se brouiller là donc. Bah il peut rien faire contre moi. Tu m'étonnes. P36, c'est un petit peu plus dangereux ça par contre. Oh mon dieu. Ah. Ok. Ah mais j'arrive pas à le toucher par P26. Il y en a un qui s'est écrasé de P26. Hein. Ah bah c'est bon, il est mort. Ok, hop, on a un Ankle qui attaque le B18, mais il est en train de tirailler là. Le B18, il me semble qu'il est pas bon en armement défensif. Ah tiens, regarde, il plonge. Parfait, je vais pouvoir anticiper son mouvement et prendre de la vitesse. Pour Franco! Pour Mussolini! Allez, 1,6 km, je m'approche. Mais arrête de tirer le Ankle 112, tu comprends pas qu'il faut être avec nos mitrailleuses pourries, il faut être à 300 mètres pour réussir à faire des coups au but. Ah putain, oh, il va sur sa base, ce bâtard. Ah, il rentre à sa base, espèce de petite saloperie. Et j'arrive pas à le rattraper, le B18 de merde, là. Ouais, pas la peine, hein, moi j'y vais pas. Hein. Là, le... Oh, putain, je prends 9G. Non, du calme. Y a de l'avion chez vous, ouais. J'arrive. Putain, mais y'avait que ça, des crottes de P26, là. Ah, moi, je me tape un P36. Ah oui, je le vois. Je vais bien filer un coup de patte, Kina. J'arrive sur lui et je vais t'arriver dessus à 600 km/h. Attends, oh, c'est bon. Je suis foutu en feu. Oh, d'accord, génial. Bon, voilà. Wouh! Par contre, là, le P26. Ah, mais le mec il s'écrase tout seul comme des mais merdes! C'est clair, ouais. Là, ouais, mais à ce niveau-là. Oh putain, d'accord, mais vous avez tout mangé, putain! Et le B18 là, il s'arrache à sa base comme un caca! Bon, il en reste un, on le partage. Casse-toi, hein. Il est pour moi celui-là, Kina. Non, j'arrive dessus à 600 km/h à la bande de juifs, arrachez-vous! Je vais peut-être me péter les ailes en essayant de le manger. Oh la gloire! J'arrive! Surprise, motherfucker! Ah, ça va m'a fainé! Oh, j'ai pas touché! J'ai failli me prendre les deux faces! Darfish, t'as dû me voir de près! Non, je t'ai même pas vu. Putain, tu m'as vraiment, mon gars, je t'ai vu, hein! Vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu. Ouais, GG. Le B18 s'est craché! Le B18, ce caca! Non, on a gagné là! Il reste que le. Il en reste pas, c'est facile. Le PBY. Et PP, regarde le niveau. Regarde notre niveau et regarde celui des joueurs. Hein. Bah, je suis pas bon moi non plus, hein. Regarde mon niveau d'Arfish, hein. Attends, je regarde PP. Je suis niveau 7 ou 8, hein. Carte du joueur. Niveau 7, ouais. Ah ouais? Après, Kina niveau 101, moi niveau 88, voilà. Je suis un gros noob. Bon, attends, je vais aller taper une cible au sol, hein. On va aller essayer de taper de. On va essayer d'aller taper de la. Oui, en face sont plus que deux. Ah, je vais faire ici le sol aussi. Pareil. Hein, bah, moi, il y en reste juste un parce que l'autre s'est craché. Ok. Allez, touche. Hit. Hop. J'ai failli me cracher comme une grosse merde. Parce que je suis un gros caca. Oh, je l'ai eu, ennemi qui l'assiste. Putain, qui m'a volé ma cible. C'est toi. T'as une assiste aussi? Ouais. Enfin, ennemi qui.
Vous avez baissé en même derrière, j'ai mis une bombe, je crois. Hop là. Bon bah, je vais survoler la ville. Hop, allez, touche. Non ! Si on part contre un. Ah, je te vois, Darfish. Ah, c'est l'église. C'est quand même agréable d'avoir les petits biplans, hein. Y a pas besoin de... Y a pas les flaps à gérer. Il reste 90 de mun, je vais essayer de faire une passe, une ultime passe. Une passe épique et glorieuse. Il me reste 96 munitions. On est en train de taper à... Darfish, tu te rends compte qu'on est en train de taper à deux sur la même AA, hein, et on n'arrive pas à la voir. Je lui ai mis plein de coups, mais ça lui fait rien. Hit Je l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. Attends, Darfish, attends, je t'ai vu passer, espèce de singe. T'es arrivé de biais, là. Il me reste 0 mun, ok, bon, bah... Je vais rentrer à la base, on va pouvoir s'en faire une autre. Ouais, il me reste 76 balles. 0, je suis littéralement à sec. Pas grave, j'ai réussi à avoir un kill, j'ai mangé un P26 qui avait pas l'air de se rendre compte que j'arrivais sur lui. Moi j'ai joué, tu sais, comme un chat avec une souris à moitié crevée. T'es encore vivant ? Le mec essaie de m'échapper avec son P26, mais il peut pas parce que je suis 20 fois plus loin que lui. Hein. Bon, on a un junker. Je crois que le junker va venir finir les cibles au sol. Je vais me taper l'artillerie. Putain, y'a du H-11 quand même. Putain. Oh, Darfish, premier de la team, GG. 2154 points. C'est difficile. Je suis 3ème, qui n'a 4ème. Je suis premier avec n'importe quoi. Oh, regarde le mec qui se fait son malin là. C'est vrai. On va relancer, Darfish, on va voir si t'es aussi bon avec tes deux kills là, tes deux victoires. Est-ce qu'on peut relancer avec encore un tir là? Oui, attends, tu fais le malin là. Tu devrais avoir honte. Bon, je vais me taper l'artillerie qui est avant que le Heinkel le fait. Allez! Ah, ça est sale. I'm all kill. Bon, Pépé, on va essayer de pas se rentrer dedans quand on va atterrir. Hein. Je suis en train de. Oh, d'accord, super. Ça peut voilà, ça aura pas été bien dur, hein. J'ai un P26 qui ressemble à un Wellington. J'ai arrivé, bam bam, et puis le machin il était mort, quoi. En même temps, c'est le clubbing qu'on a fait. Et tu l'as pas, toi, Pépé, le CR42? Si, je crois que j'ai. C'est le. Le CN, le Marcolin. Ouais. Ouais, si, je l'ai. Ouais. Et tu devrais le tester, il est vachement bien. Ouais, j'aime bien. Je le joue en arcade, il était. J'appréciais beaucoup la manœuvrabilité. Bon bah avec tout ça, j'ai pu upgrader mon 109. Attends, et voilà. Je vais voir si je peux pas un peu l'upgrade, les customisations. Modification. Bon bah, le 109 B1, il est... Ah non, il est entièrement amélioré, mon 112. C'est pour ça que, mine de rien, il fait bobo... Bon bah, revanche, hein. Attends. Comment est-ce qu'on quitte l'écran principal? Ready? Ok, c'est bon, je suis prêt. Parfait. Attends, est-ce que j'ai sélectionné mon 109? Ok, c'est bon. Ok, allez, je vous emmène en 4.3. Hein. Tu nous emmènes quoi? T'as pris quoi comme avion, Kina? Tu me fais peur. J'ai pris le 109 B1, encore le même. Ah ouais, d'accord. Alors, moi, je vais faire une escouade de CR-42. Oh non, tu me fais chier avec tes biplans. C'est fini la Première Guerre mondiale, putain. Le CR-42, il a servi jusque vachement tard. Oui, mais bon, les Italiens, ils avaient encore leur CR-42, il y en avait encore en 42. Par contre, dès qu'ils ont commencé, ils se faisaient croquer. Hein, donc, dès qu'ils ont commencé à amener les premiers moteurs en ligne, bah, les premiers Daimler-Benz sous licence. Retraite du CR-42, 1945. Ouais, c'est ça. Les Italiens, Est-ce qu'on parle du PO2? L'avion, c'est l'avion le plus construit au monde, hein. Ils en ont encore pendant la guerre de Corée en 54, ils les utilisent pour la ROCO et le guidage d'artillerie. Jusqu'aux années 50, ouais. Ils en ont fait genre 55 000 exemplaires, c'est l'avion le plus construit au monde, le PO2, c'est juste dément, quoi. Est-ce que c'est le... Ouais, non, c'est le PO2 qui a un jet d'abattu. Oui, sûrement, oui. Sérieux? Ouais, je pense que c'est le PO2, je crois que c'est au Vietnam, ils ont abattu un... C'est un jet américain qui a abattu un biplan, justement, mais c'était un gros biplan, c'était les petits biplans de transport. Bah, durant la guerre de Corée aussi, un PO2. Bah, c'est badass, hein. Il a mangé un sabre ou un F-80 de. Ouais, mais parce que l'histoire, en fait, c'est juste que le gunner a
touché le sabre, mais le sabre s'est crash parce que le PO2 allait pas vite. Putain. Et ben, vu que le gunner a touché, le kill a été attribué. Bah tiens, regarde, Darfish, tu voulais... Il y a un autre CR-42 là-dessus. Putain, mais comment il grimpe, oui. Cet enculé, là. Je fais l'hélicoptère. Ah, je te vois, Darfish, en train de faire le kikou, là. Putain, mais comment vous me mettez la misère en vitesse, là? Je peine à rattraper avoir de la vitesse en Rankle 112. Bah, en même temps, moi, je suis en 109. Bah, par contre, Darfish en biplan, je sais pas. Ah, il s'amuse, hein. Il est juste dessus toi, genre à 10 mètres, hein. Vous avez globalement les mêmes... Tant qu'Inar fait vol à formation serrée. Je te rattrape à toi. Une fois que mon joujou est lancé... Oh, la patrouille de France. Ah, vous êtes beau. Attends. Avec un patrouille de France version 1940. Putain, hein, on a un BF-110. Nique sa maman, quoi. On a un G50, un BF-110 et un... C'est beau, c'est vrai. Voilà. Oh, les gars, vous me faites... Vous êtes dégoûtant. Vous êtes dégoûtant. Attendez, je vais mettre le zoom. Eh, vous avez un PBY qui vous arrive plein de face, hein. Ouais, bon, on va le niquer. Et vous avez aussi un Sunderland à haute altitude. Ouais, bah, je vais pas le chercher celui-là. Oh, pas la peine. Par contre, le PBY peut être intéressant. Hein. Regardez, il vous voit arriver le machin. Je vais lui tomber dessus, moi, le PBY. Hein. Je vais cramer mes munes. Le PBY, non, par contre, moi, je m'attaque pas à ça. Pas avec mes deux pauvres MG17. Bah, ouais, il faudrait du P26 plutôt, là. Et moi, le Sunderland, par contre, j'y touche pas. Hein. Ce genre de truc, c'est. C'est rempli de mitrailleuse. Ouais, yep. Hey, un Hurricane, les gars. Comment un P400? What? Ok, on est beaucoup, beaucoup overtier. Ouais, P400 Hurricane. Qu'est-ce que ça fait là, un Hurricane? Attends, moi, on se fait croquer par ça. Hein. Mais c'est pas normal, ça. Y'a un P40. P400, mec, P400. Mais c'est une catastrophe, j'ai mis les autres cailles. On va tellement se faire manger. Oui, bon, bah, il est 2.7, je vais essayer de toucher le Hurricane, mais j'ai pas trop d'espoir. Hein. Je vais essayer de lui faire bobo, Hurricane. J'arrive pas à... Oh, P400, je peux le manger, là. T'as pris le même HS-112, Pépé? Oui! Je vais me cracher! Non, c'est bon! Je peux rien faire contre ça. J'ai réussi à toucher le Hurricane. Oh là là! Et en plus, j'ai mes G qui me mettent la bite. Ok, pour la gloire. Oh là là. Ah, ça y est, je suis touché. C'est bon, je me fais manger. Hein. Je vais te sauver, Pépé. Je tourne comme un gros taré. Oh, c'est le P. Putain, ils sont à deux sur moi. C'est une catastrophe. Putain, mais allez, c'est résistant, c'est merde. Darf, Kina, où es-tu? Ah oui. Allez, hop, un kill. Non, j'ai qu'une assist. Quelqu'un l'a mangé avant toi? Sur le P400. Non, mais j'étais tout seul dessus. Oh, le F4 il tombe. Oh, il me voit pas venir. Allez. Guys, j'ai un speed derrière moi. J'essaye de venir vers toi. Il tourne. Oh putain, d'accord, quelqu'un l'a mangé à ma place, j'y crois il pas. Il t'a abandonné. Ok, parfait, merci. J'essaye de remonter. Un mort. Je vais le choper là. Je reprends de l'altitude. Bon. Merci pour le coup de main, Darfish. Je reviens, faites gaffe, ouais, je reviens avec vous pour vous aider contre le speedfire, les gars. J'ai pas eu réussi à l'avoir. Oh, okay, gars, ouais. Il est derrière toi. Non, c'est bon, il tombe. Il est dessous toi, le speed. Kina. Ouais, je suis dans ton cul. Il remonte, Kina, fais attention. Il remonte, ouais. Ça, c'est des arbres. Putain, mais d'où lui fait que ça? Putain, mais je touche rien, le machin. Ok. Ok, et là, le speed, on est à 3 dessus, hein. J'ai touché. Mais d'où je touche pas? Moi, j'ai touché, Darfish. Mais je l'ai déjà touché plein de fois, mais ça lui fait rien. Bah, normal, t'as des mitrailleuses de merde. J'ai des 12 mm, mec. Attends, je reviens. Je pense que. Ouais, attention, Hurricane qui me fonce dessus, je pense. Darfish, t'es dans ma ligne de tir, dégage! Il est. Putain! Allez, encore une assist. J'ai le kill, moi aussi, j'ai le kill assist. Bon, je crois qu'on était à 3 dessus, Darfish. On était à 3 dessus, hein. L'Hurricane est juste. Oh, quoi qu'il me reste encore 100 balles, je vais faire l'Hurricane. Ah, je l'ai touché! Sans balles pour un Hurricane, easy peasy.
Moi, il me reste 200 cartouches. Dans son speed, c'est à 5 km devant nous. Ok. On a le temps de... Il faut manger le Hurricane avant. Je devrais pouvoir l'aligner bientôt. Oh oui. Vas-y. Allez. Putain, mais on est tous dessus, là. J'aime bien que ça fait la horde de petites merdes après le titan. on est des petits moustiques. Et bah, n'empêche qu'on est en tiers inférieur, on les mange, hein. Putain, je touche pas le machin. Il joue pas très bien aussi, hein. Ok, putain, par contre, 400 qui était dans j'ai plus de mune. Dire, le mec, il jouait comme un pied. Il est à nous, l'aéroport, là, je peux me poser dessus? Lui, je sais pas si tu peux te poser dessus, celui-ci. Je pense que oui. Non, tu peux pas. Putain. Oui. J'ai volé le pied comme un gros bâtard. J'ai joué l'arfiche. J'ai mis un crit juste avant qu'il s'écrase, en fait. Bon, bah, il y a un split, ouais, je vais essayer de pas être le split, les gars. Vu que j'ai plus de mun. Ah, moi je rentre chez moi. Hein. Il me reste 60 balles. Kina, il te reste des mun? Oui, il m'en reste encore 700. Je vais essayer de pas être le split. Ah non, mais attends, il se barre. Il y a quelque chose derrière moi. Il se barre. C'est un P40. Attends. Le Sunderland. Ah putain, le P40 il est derrière moi! Attends, okay, je fais demi-tour. J'ai 60 balles pour te sauver. Je fume. Je vais essayer de jouer avec lui. J'ai un BF-110 qui est aussi sur lui. Je vais le bait. Allez, vas-y, suis-moi. Ok, tu fais ça passer avec moi. Suis-moi, mon gars. Suis-moi. Hop, esquive. Je te nique, P40. Tu peux pas me tester en même temps. Y'a le BF-110 qui arrive aussi, hein. Putain, mais là. Ok, attends, je vais pouvoir le prendre. Je rentre comme un caca à la maison parce que là, j'ai pris la bite. Oh, 110 il est à moi. Regarde-moi ces deux là. Merde. Oh, vous l'avez mangé, GG. Y'a encore le Spitfire qui vous arrive dessus, les gars. Le 110, il mange tout, hein. Vous avez vu comment on les a mangés? Putain, ouais. Regardez ce qu'ils ont pris. On a perdu 3 avions, quoi. On a eu un super travail d'équipe, hein. T'as vu comment on était tous... Oh, ils a mangé un par un. Alors que eux, ils venaient de par un ou par deux. J'ai quand même pris quelques balles pour toi. Regarde... Ouais, merci, mec, hein. Regardez qui est devant en score. On est bon, hein, les trois de l'équipe, là. Oh. Darfish kidnappe Pépé. Malgré les deux kills qu'on m'a volé. Oh, arrête. On a tous tiraillé d'ailleurs, je l'ai volé. Par contre, celui que j'ai eu, par contre, je l'ai vraiment volé. Parce que le mec, lui a mis une balle, j'ai fait un crit. Ben voilà. Alors que les deux autres, j'aurais fait au moins une dizaine de coups et à la fin, il y a un mec qui me l'a volé. Bon, Darfish, je suis juste à côté de toi. Hein, genre, moi, je te vois. Je suis dans un sale état. Sur le front des usines, c'est beau. Je fume un peu, j'ai l'impression. Ouais, moi aussi, hein. Ma température d'eau est à 100 et mon huile 88, donc c'est pas trop mal. Ça va, il est quand même costaud, hein, le CR-42. Ouais. Parce que j'ai pris une bonne rafale du P-40. On a fait le boulot, là, hein, mine de rien. Et le P-40, c'est 6 fois 12 mm, hein, c'est pas rien. C'est le même armement que le P-51. Ok, on va pouvoir se poser. On va se poser comme une fleur. Par contre, ouais. Bon, je prends de la vitesse, parfait. Et toi, Kina, t'es toujours tu vas attaquer le split là? Avec le 110, ouais. Ouais, je vous vois. Vous avez aussi un G50 dessus, vous, hein. Parfait. Vous êtes à 3 contre 1, normalement. Ça devrait passer. Ouais, le split, il fait juste fuir pour l'instant. Comme toi, par contre, comme toi, dans tes furets après une soirée. Je sais pas si tu me vois, mais je vois le pas droit. Ouais, je vois, t'es... La cime des armes. Je les taille un petit peu au passage. Mon moteur est en train de crever. Allez, je sens le train, les flaps. Coupe le moteur. Allez, on y va. Je me demande si l'heure affichée sur mon 109 c'est la même heure que chez nous. Oh, je vais me poser. Oh là là, je vais être un peu léger. Remets le gaz. Les gaz. Ah. Un peu de gaz. Oh putain, je me pose. Ah, mais oui, c'est la même heure. Ah bon. Hop. Magnifique. Posé. Hop. Oh, il y a un SM-219 qui se poserait juste en face de moi. Si au passage, je peux lui mettre une petite rafale, ce serait tellement drôle. Oh, c'est pas gentil. Darfish, je vais te traverser, Darfish. Comme avec ta maman. Oh non, même pas, regarde. Regarde cet atterrissage. Ah, Darfish. Tire pas, Darfish, c'est pas sympa. Attends, je vais descendre le bombardier. On s'est posé. Oh, je l'ai touché. Oh, Darfish, c'est pas... C'est stupide de faire ça. J'ai horreur des connards qui font du free and fire. On sait pas si on a gagné ou pas. De toute façon, ils réparent, donc... Si t'as un super mec en face... Tiens. Un de moins qui vient de sauter en parachute. C'est le speed, Kina, que vous avez mangé? Non, pas encore. C'est Cinnamon 7 que vous tapez? Ouais. Ah bah, il est pas mauvais, hein. En fait, non, d'accord. Il a j'ai du tout score. Manqué.
Il a 12 points. Bravo. Bon, on a gagné. 6 assists le mettre quand même. Hein. Il doit bien rager à mon avis. Ouais. Si tu fais 6 assists. C'est clair. Putain, j'ai un mec qui vient de me raser là, le faux couf de sang qui s'est. Allez, on y va. Allez. Et décollage. Je serai derrière toi, Darfish, mais vu que tu vas me larguer en vitesse. Ah bah, je suis déjà plus de 5 km/h là. Allez, je mets le focus sur le speed, ouais. Et on y va, 22 km. Vous l'avez endommagé, Kina, ou alors il... Je l'ai pas critique, il fume pas. J'ai 50 passes proches, par contre, je n'aime pas. Et halt... Il rentre à sa base, j'ai l'impression, le machin. Où est-ce que vous êtes? Ah ouais, putain, allez. Ouais, non, oui, il est encore loin de sa base. Vous l'avez bien éloigné... Si vous arrivez à bien l'immobiliser pendant quelques temps, moi et Darfish, on va le finir. Moi, si je suis capable de bien... Hit. Plus que 21 km. Ouais, plus que 21 km, c'est clair. Putain, le machin, la distance, quoi. Bon, en route, hein. Bon, c'est pas le 109 le plus rapide que j'ai, par contre. Hein. Ils sont super longs, en même temps. Bah, en même temps, à ce niveau-là, à ce tir-là, Kina... Y a pas beaucoup d'avions rapides, hein. T'es content quand t'es à 300 km/h, hein. Bah, le CR-42, je le trouve plutôt rapidement. Hein. Ouais, c'est vrai que tu me largues. Hein, pour un plan. Ouais, tu me largues. Hein. Ok, le speed nous arrive dessus plein tube. C'est qu'il est en train de. Ouais, j'adore cet avion. Il est résistant, il a un super armement. C'est un avion premium d'Arfinish, tu sais. Hein, c'est pour les. Voilà quoi. Ouais, mais c'est exactement le même que celui qui est pas premium. La seule différence, c'est que tu gagnes plus de crédit à la fin de la bataille. Ah, Kina, j'aime bien, retour to the airfield, reloading, t'es tellement professionnel, tu gorges mon marchandise de sang. C'est des années d'expérience. Ah, c'est ça. Et 14 km. Ouais, je serai derrière. Et on va arriver. On a un peu d'altitude. Je pense qu'il va essayer de rentrer à sa base, on devrait essayer de se mettre sur sa trajectoire de rentrée de base. Merde, j'ai tiré comme un singe. Ouais, il va se essayer de rentrer à la base. Je vais mettre sur sa trajectoire de rentrée. Ah bah, il est mort. Oh putain, d'accord. Allez, ça va aller le coup, quoi. Bon, il en reste encore un. Non, il est où, le dernier, là? Il y avait pas... C'est un PB direct, je pense. Bon, attends, on va essayer d'aller le chercher à sa base. Hein. Une passe épique et glorieuse en mode suicide. Coucou, Darfish. Ouais, je pense que je peux l'identifier. Tu veux utiliser un ordre. Ouh. Bah quoi, Darfish, c'est moi, toi. Ça, c'est de l'acrobatie. J'ai fait un petit coup de souris vers la gauche, hein. Mais non, t'inquiète pas, j'étais bien. Bon, on va aller se rapprocher de leur base. Bon, on va taper des cibles au sol, hein, tout simplement. Ah, il est là-bas. Excellent, merci Kina. 13 km en face, ouais. Il se rapproche à grande vitesse, donc c'est bon, il vient taper de la cible. Allez, on le mange, lui. T'es avec moi, Darkfish, je pense que ouais. Ouais, ouais. Je suis à 800 mètres derrière toi, un peu trop vite. Je suis à 300 km/h quand même. Ouais, ah, bah, je suis presque à 400, moi. Une fois qu'il est lancé, moi, une Col 112, les bons vieux monoplans en métal, ils font la différence. Mais ce qui me manque, c'est un peu de super puissance, là. Bon bah on va prendre de la vitesse, on va grimper au-dessus et on va lui tomber sur le rable comme moi sur les furets Akina. le Alors on va des furets. Il faut pas le choper par l'arrière en fait. Il faut le choper par les flancs et faire des passes ou par au-dessus. Ou allez-y façon Thunder Commando. Ramming. Darfish, mission suicide. Suis-moi. Tu voulais une victoire, tu vas en avoir une. Bah j'en ai déjà une de victoire. Ah, enfoiré. Ah ouais, oh. C'est moi qui en a pas. Mais moi non plus, hein. Je vais essayer de... Allez. Ouais, y en a un qui a raflé toutes les victoires avec son BF-110. Bah oui, lui, il a mangé cet enculé, là. En même temps, il est en BF-110, hein, il peut. Les bons vieux Zesterer, ça fait le café... Bah, les canons de 20 contre des biplans en ça général. Marche, ouais. Oh, pas contre des biplans, les canons. On n'a pas vraiment affronté des biplans, je vais te dire. Les canons de 20 tout court, ça fonctionne bien. En même temps, les biplans, les Américains, ils en ont pas, les Anglais sont dégueulasses, leurs biplans, donc forcément.
Oh là là. Ouh. Oh là là, Pépé. Je crois que tu as même pas mis un seul hit. Si, touché. Moi je vais faire une de ces passes là. Moi je remonte là, hop. Je vais tranquillement venir sur son flanc. Vous êtes pilote? Oh, j'aime pas ça. La fois cool de 5 qui décolle. Putain, mais il tient déjà dessus. Starfish. Hop, un hit. Moi aussi. Non, même pas de hit, putain. Oh putain, lui m'a touché, ce bâtard. Critique, il est en feu. GG. Je vais essayer de lui remettre un coup. Touché. Ouais, on va le finir là, putain, cet enculé. Allez, on le finit là. Aïe! Fais gaffe, il fait bobo d'Arfish, hein. Un petit peu. Ah, ça y est. J'ai eu le kill assist. T'as eu le kill, GG. C'est toi qui as fait le crit. Bon, normalement, c'est bon. Ouais. Attends, je vais essayer de me faire des. Non, il en reste encore un, 4 miao. Ah non, c'est bon, c'est lui. Non, c'est lui. Ouais, c'est bon, 4 miao. Donne quelques secondes, puis ça. Les points vont. Les tickets vont tomber. C'est ça. Bah putain, les gars, 4 places, on est dans les 3 premiers. En plus, c'est sur une game où est-ce qu'on était. Entière, c'est largement bien. Inférieur. Hein. Il y avait c'est du PK, P40, Hurricane. Bravo. Hein. Oh, je suis même pas premier de la P-Game. Ça fait 2 games à ce tir-là qu'on survit tous et qu'on fait du hit quand même. Pas mal. Ouais, ce qui est bien, c'est que moi je suis en train de rechercher le BF109K avec moi. Avec ton CR42, tu devrais avoir honte. Allez, 7000 points. Je pense pas que c'est très efficace avec les malus. Bon, allez, on s'en fait une dernière, les gars, comme ça. Ouais, une dernière. Dernière, ouais. Quelle heure il est? Oh non, il est 4h du mat. Moi, allez, arrête d'Arfish. Oh, c'est rapide. Dernière. Non, je suis. Allez, je sors le CR42 d'Arfish. D'accord. je le gardais sous le coude, tu sais. Seulement si 4 aussi, il en CR42. Allez, 4, CR42. Une squad de CR42. Putain, le problème c'est que je sais pas où il est mon CR42. Attends. CR42, voilà, hop, là, et il descend. Ah, il va falloir que je mette un équipage dessus, enculé. T'avais pas d'équipage sur le CR42, mais c'est le meilleur avion pour une grind au début. Bah, c'est bon, attends, ça coûte 150. Est-ce que je peux le customiser un peu? Marcoline CR42, voilà. Modification. Ah oui, allez. Il va arriver qu'une. Ah non, c'est bon, il est amélioré à fond mon truc presque. Parfait. Est-ce que je peux? Allez, attends. Ah! Non! Ok, c'est bon pour moi. Tu sais qu'avec le CR42, tu gagnes plus de points de recherche que ton feu bouffe. Hein. Ouais, mais je m'en fous des points de recherche, j'ai aussi envie de m'amuser, tu sais. Bah, moi je m'amuse quand même un petit peu avec les. Absolument. Bon, allez, c'est bon. Ok, tout le monde est prêt? Ouais. Parfait. Allez. La recherche, voilà. On va faire le squad de. La Yak Geschfader de 45 qui a plus d'avion, qui sort les. qui sort les reliques du musée. De jeune fermier qui a été appelé au combat. C'est ça. Avec 5 heures d'entraînement de pilotage. Et encore 5 heures, t'es. Tant que tu sais décoller, c'est bon? Ouais. C'est comme dans Indiana Jones. Ah, décoller, oui. Atterrir, c'est une autre histoire. T'auras pas besoin d'atterrir, t'inquiète pas. J'essaie de démarrer le moteur. D'Arfish à 11h. Qu'est-ce qu'il y a à 11h? Et là, tu regardes ta montre. 9h, 10h, 11h. Marcoline CR42. 11h, c'est pas l'heure du déjeuner. Fils, ils nous ont eu. Je suis désolé. Lui qui a tiré dans la queue de l'avion. Bon, je suis en CR42. On y va. Bon, c'est super maniable cette bestiole là. Ouais. Bon, alors là, on va tomber sur un B29 en haute altitude, mais comment est-ce qu'on va là-haut? Oh, ok, on a un col sans. J'imagine bien les squads de CR. Oh, regarde, tous ces CR42. Oh, tous ces CR42. Ils sont 5, on est 5 CR42. Putain, CR42, CR42, la vache. Oh, cet orgasme. Putain, allez, Darfish, t'as vu ça? N'est-ce pas ton rêve qui est en train de. Ah, j'ai appuyé sur G pour rentrer mon train, quelle erreur! Je te suis, Darfish! Ah, j'avoue, il est rapide le bâtard! Regarde-moi les trois abrutis quoi! Je suis à 4 mètres sur ta droite, Darfish! Ah, Kina, non, tu m'aveugles! Ah! Trop de smoke!
Fiche la balle. Appuie sur L, Pépé. Ah, oh, tu es blanc. Bah oui. Comme un ange, Darfiche. Il se rend. Je suis français. Moi, c'est le rouge du comité. Je me rends, les gars, pour la bataille. Comment je joue avec Darfiche? T'as tous les CR42 qui allument leur truc, c'est n'importe quoi. Les bandes de singes, quoi. Ah, regarde, okay. Y'en a d'autres qui font comme nous, mon bas. BBY Allez, je vais me battre avec Camille Fumigène, moi. On va partir, si on est réduit à ça, hein. Pour le spectacle. Pour le spectacle, la dernière game de la soirée. Les mecs, ils vont arriver en face, mais c'est quoi, c'est guignol. Et après, ils vont se faire manger au kill, mais ils nous tuent. Bon, vous avez deux PBY, mais par contre, aucun contact avec le chasseur. Hein. Ouais, qui la j'aime quand tu es dessous moi. Je sais. Je suis derrière toi, Pépé. Allez, sors la langue. Justement, ça m'inquiète quand t'es derrière moi, Darfish. C'est à ce moment-là que je sens mon anus, ta langue dans mon anus. Tu es dans ma ligne de mire, Pépé. Ouais, bah... Va taper le PBY là, d'ailleurs. Si, il suffit juste que j'ai une petite crampe à l'index. Ah, les gars, on a un F2, P26 F2. Bon, allez, moi je vais aller sur le F2. Je vais aller taper le. Ouais, attends, ils sont 3 là, ils sont 4 gladiateurs, ouais, allez. Non, ouais, putain, ouais. Sur le F2, okay. Allez sur le F2, allez sur le F2. Fury. Allez sur le F2, ouais, tous les deux. Il y a des dangers, ça, Fury gladiateur. Ouais, quoi que le gladiateur, si, mais. Ils sont 4 quand même, hein. Ils sont 3. Est-ce qu'il m'a vu? Il m'a vu. Bah, avec les fumigènes, ça doit aider. Je me demande. Allez, je vais attaquer le P26, moi. Je suis un dingue. Attends, tu me dis que niveau vitesse, je rattrape un buffalo. Ok. Oh, attends, je vais aller toi attaquer le Fury. Il m'arrive de face. Coucou. On est à deux dessus. Oh, putain, j'espère que je vais pas ramer mes alliés. Ok. J'ai bientôt un tir sur lui, j'attends notre ascenseur. Oh mais ils l'ont déjà mangé, putain. J'ai même pas eu le temps de tirer dessus, ça m'agace. Il tourne, ok. Là, je vais aller taper le P26. Hein. Attends, le P26, il attaque le Heinkel 112, alors toi mon gars. Et oh, voilà. Vas-y. Un petit pilote shot à 500 mètres. Oh putain, il m'a touché, moi je l'ai pas touché forcément. En reste en escadron, Kinar, ça te fait classe. C'est que genre on est organisé, on a le même avion et tout. Putain, ma température est en train de skyrocket. On arrive, Pépé. J'ai un P26 qui est un peu arrogant. L'arrogance américaine. Alors, le mec préfère taper les cibles au sol alors qu'il est entouré d'avions ennemis. Là, tu vois, bah mon gars, t'es plus en arcade, là. T'es là pour te battre, quoi. Enfin... Attends, des fois, je vois des pilotes en RB atterrir sur les bases ennemies, des fois. Putain, d'accord, mais... Mais merde, quoi. Enfin, je l'ai pas touché. Oh putain, mais il m'a échappé sous mon nez. Il a préféré se suicider plutôt que d'affronter mes balles. Enculé. Bon, il y a un autre P26 là, vous le voyez, celui qui arrive sur vous? Attends, non, vous êtes un ouais. peu... Igor. Yeah. Ouais, Igor BF1 avec ouais. C'est un joueur PS4. Ouais, bah avec ce pseudo, oui. Alors, il arrive de face. Non, il arrive même pas de face, il arrive de pied. Nous venons t'aider, Pépé. Et je l'ai même pas touché, putain, je me déteste parfois. Hein. Je préférais mon Heinkel 112, hein, je touchais plus avec, hein. Si t'es pas habitué d'avoir des vraies armes, ça va être pour ça. Tu m'étonnes. Ça change de tes pétoires, là, t'es pas habitué. Et voilà, il s'est fait manger. Ah. Attends, tu peux encore voler le kill, hein. Non, il est cuit, là. Non, moi je suis pas comme ça. Allez! 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 Putain, je suis allé jusqu'au bout. Oh, le bande de vautours. J'ai même pas touché, je me déteste, je suis endommagé, il me reste 300 mules, j'ai pas mis un hit de la game, quoi. Darfish, viens ici, je vais m'occuper de toi. Y'a personne de mort dans notre équipe, personne de mort. Y'a... Bon, allez, autour du Nimrod, là, on va... Voilà, le dernier, fallait que je parle, le dernier s'est crashé. Ben voilà. Bon, le Nimrod, à son tour, y'a 5 mecs, 6 mecs autour du Nimrod. Moi je m'en fous, je tire dans le tas, hein. Oh, il est déjà mort, mais non. Mais allez tous vous faire foutre. Bon, ok, je vais aller taper des... Et il est mort aussi, le B18. Bon, ok, bah je crois que c'est fini. Moi je vais aller taper de la cible au sol, hein. Je vais peut-être réussir au moins à toucher une cible à moitié immobile. Mais non, elle bouge en plus, la cible au sol, fuck. Ok. Je m'approche.
comme une un gros caca. Voilà, je touche. Non, non, non. Est-ce que vous avez le jeu qui vient de vous dire on est en train de perdre? Ouais. We are losing. We are losing the battle. Do something fast. Ouais, on va chercher le Hurricane. Ouais, on va, aller, on va chercher le Hurricane. Hein. Ah, mais il y a encore le de Katsumiya. Il est en PBY encore lui. Ouais, lui, mais il est pas à la base lui. Ouais, il est à la base. Ouais, il est à la base. Attends, mais en plus, le Hurricane attaque notre base, hein. Ouais, regarde, je parie que le Hurricane, je parie que le Hurricane, il va venir s'empaler sur le ouais, sur la PCA. Ouais, les mecs, on va chercher le PBY, il est sur la base. Bah oui, mais non, bah oui, vas-y, Moi, je... tape-toi la DCR, vas-y. Non, mais on l'attend qu'il décolle, faut pas être con. J'attaque les cibles au sol parce que je m'emmerde, voilà. Oh, ça y est, un hit, 5 points, les gars. Bah là, je vous avais dit que le Hurricane allait s'empaler sur notre DCA. C'est abruti. Il a vu la cible en fait du bombardier. Il s'est dit facile à manger. Ah, PBY. Tu l'as marqué, le PBY en vision. Il est où? Il est au niveau de la base ennemie. Ouais, il est au-dessus de la base. Ouais, voilà, bon. Ouais. Bah, je m'approche pas trop. Hein, je ça reste rien. Juste. C'est bien les fumigènes allumés qui me voient bien. T'sais. Coucou, je t'attends. Ah, il y a encore un hit. Je vais finir par les manger, ces crottes-là. Attends. Putain. Remember me. Witness me. Oh bah... Oh oui, mais c'est le même. Ok, oui. Oui, c'est le même. Bon, allez, on y va. Hein. Chargé. I'm back, bitches. Ah, oh, il a levé ses fumigènes aussi. Allez, on y va. Fumigènes. Il nous défie. À la guerre. Il me reste 280 cartouches, je vais essayer de ramer. Non. Ah, Darfish, tu vas voir. Mon moteur est en train de claquer, je suis à 260 degrés. Je vais me transformer en lave dans pas longtemps, alors c'est maintenant ou jamais. Hein. Il y a un autre Catalina. Quoi? Il y en a... Fume. Au, 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 au. Pourquoi il tire pas? Moi, attends, 60 mètres... C'est quoi qui m'a tiré dessus? C'est la DCA. Oh, c'est la DCA qui me tire dessus! Je l'ai touché! T'as Darfish, t'as failli me toucher aussi au passage, hein! Bah, moi, tu sais, vu comment il fume et que je suis juste derrière, je vois plus rien. Hein. Moi, je suis content d'allumer. Hein. Touché! Restez derrière lui, hein, et j'ai tué son gunner arrière. Touché! Oh, une kill assist, nice! Je suis content, moi, avec une kill assist. J'ai eu la kill assist quand j'étais à... Par contre, j'ai récupéré de... Bon, bah, moi, j'ai plus de mun, hein. Je joue avec la nourriture. Bon, il reste quoi, là? Oh, il reste un encore, mais c'est qui, cet affreux? Attends, je vais aller le ramer, il est où, là? Il est sur la base. Moi, ouais, non, c'est même pas la peine d'y aller. Oh, il y a de l'huile sur mon pare-brise. Ouais, moi aussi, j'en ai pris. C'est le Catalina PBY qui était en... Ouais, bon. Moi, je suis assez pas mal derrière lui. Bon, je vais essayer de rentrer à la base. Bah, je vais... rentrer avec 20% de gaz parce que pour faire tomber la température du moteur. Alors, j'attends que le Catalina redécolle. Je vais aller me poser assez. Bah non, mais malheureusement, c'est pas des terrains viables. Non, c'est. Faut aller totalement dans le fond. J'ai quand même pris quelques coups dans mon moteur alors. Ouais, non, ça va. Moteur, comment qui est? Je me poserai sur la base ennemie. Darfish. Ouais, le PBY il est. Oh bah attends, moi j'ai. La game est finie, on arrête après, donc je vais tenter le ramage à la verticale, à la mode kamikaze. Ça marchera pas. Quand ils sont au sol, c'était désactivé en fait. Je m'en fiche. Faut voir, c'est toi que je vais ramer si tu te tais pas. Il va redécoller là. Ah ouais, 9.35, bah oui. Allez. Tu rentres à la base, Kina? Oui. De toute façon, là, c'est assez bouclé. Putain, mais hey, on a eu une perte, quoi. C'est quand même dégueulasse, hein. Comment on les a mangés, quoi. Oh. On a un CR-42 qui essaie de se frotter aux enfants. Il est tellement con. Voilà. La DCA te tire dessus, Darkfish, hein. Ouais, je sais, mais ça va. À cette distance-là, je risque pas grand-chose. Et là, je me fais tuer. Oh putain, ils m'ont touché, en fait. Ah, bien sûr qu'ils t'ont touché. Encore.
Je me casse. L'autre cercle, tu prends la bite pour l'autre cercle 42 qui est en train de passer à l'attaque. Allez. J'ai même plus de munitions, mais j'attaque quand même. Je vais sortir mon caleçon sale du cockpit et essayer mais de... Mais putain, mais d'où il me touche encore dit. Oh, j'adore Darfish qui est plus loin que moi et il prend la bite. Bah alors Darfish... Ah, ça y est, il tire sur l'autre, attends. Non mais, putain, mais elle me tire encore dessus, mais je suis au-dessus de la rivière, putain. Non, c'est bon, elle tire plus Darfish, c'est bon. La DCA, ça vous parlez? C'est bon, attends, je vais tenter le ram. Ils sont en train de tirer sur l'autre mec, pas sur moi. Vas-y. Vas-y, je peux encore voler. Hein. Tente ma chance. Deux kilomètres 5. À la Wakbar. Allez. Oh, il tire dessus. Oh, il tire dessus. Oh, je prends la bite. Oh, c'est bon. Putain, ils m'ont one-shoté, les machins. Ça va venir tous comme ça. Ah, ils m'ont one-shoté, quoi. Est-ce qu'on peut se réparer sur le point A, là? Non. Non ? Bah, je vais essayer de rentrer. Oh, je rentre en gare, ça sert à rien, on va arrêter là. Ça fait déjà un sacré stream. Ouais, ça fait combien d'heures, là ? Putain, ça va faire 3 heures qu'on est dessus, hein. Waouh ! Eh ouais. Un nouveau accord pour War Thunder. Putain. Bon, sur ce, les filles, merci aux rares viewers qui sont encore là. Il reste combien de personnes ? Il y a 12 mecs qui sont encore là, regardez. Bande de fous, fuyez ! Ah putain. J'ai pris des dommages dans le... Dans les grosses cernes. On va faire un petit stream COH demain dans l'après-midi. Et puis peut-être encore du War Thunder demain soir, on verra comment ma co-internet survit à tout ça. Bon allez, à plus les filles. J'ai mon mule qui va exploser. Darfish et Kina, passez une bonne soirée. À demain ou après-demain. À plus. Ciao. Au revoir.